Mirabelle, as-tu mangé? Ok. Papa, tu ne m'avais pas dit ce qui était arrivé à Ghana. Ça, je t'en parlerai après. Ok? Maintenant, viens. Il fait tard, tu dois aller au lit. Oh? Viens, embrasse-moi, embrasse-moi. Bonne nuit, hein? Papa t'aime. Bye! Maman, je m'inquiète beaucoup pour la vie de papa. Son état ne s'améliore pas. Si on ne voit pas le docteur, il risque de mourir. Et nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Nous ne pouvons qu'appeler ton frère Ogonejo. C'est la seule piste que nous avons pour l'instant. Je vais alors prendre mon téléphone. Non. Nous sommes là pour toi, hein? Ça va aller. Hein? Garde ta foi. Rien de mal ne t'arrivera, ok? La mort est encore loin de toi. Ah. Allô, grand frère? Allô? Grand frère? Allô, grand frère? Grand frère, c'est moi, Kiro. Grand frère, allô? ne comprends pas ce qui se passe. Je déteste les appels inutiles, je déteste les appels inutiles. Nkirou, qu'y a-t-il? Papa est malade et puis après, je conduis mon ami. Arrête de déranger ce numéro, j'arrive, je suis au volant. Ah ah. Papa est malade, que veux-tu que je fasse? J'arrive, veux-tu que je fasse un accident? Je suis au volant, j'arrive. Je suis au volant, c'est-à-dire je suis en train de conduire. Je suis au volant. Tu viens d'où? Je viens de la maison. Tu viens de la maison à cette heure de la journée? C'est vraiment ça que je vais acheter. À cette heure de la journée? Monsieur. Je suis désolé, je suis venu en retard parce que j'avais quelque chose d'important. Monsieur. Mais si vous n'avez pas assez d'argent pour celui-là, vous pouvez regarder celui-ci, il est un peu plus moins cher. Et celui-ci c'est à combien? Celui-ci à 10 minéraux, monsieur. Merci, patron. C'est bien lui votre patron? Ça, ce n'est pas votre problème, non? Regardez, je vous propose encore celui-ci, regardez ça. J'aimerais bien acheter, mais je trouve que tout est vraiment très cher ici. En tout cas, je comprends plus rien là, c'est quoi? En tout cas, si c'est le cas, monsieur, je vous suggère de partir. Allez-vous-en de ma boutique. Partez, non, mais je suis... Rassure-toi bien des prix avant de les dire aux clients. Non, ce n'est rien, boss. Bon, vous avez dit que c'était encore combien? 10 000 naira, c'est ça, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu. Hein? Junior, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je croyais que tu étais déjà prêt pour l'école. Maman, je n'ai pas envie de partir. Tu ne veux pas faire quoi? Je n'ai pas envie de partir. Pourquoi? Maman, il m'a dit ce matin qu'il ne veut plus aller à l'école. Mais pourquoi? Maman, je me sens malade. Je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Tu es malade? Oui, je veux aller à l'hôpital. Mais depuis quand? Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Qu'est-ce que tu ressens? As-tu mal à la tête? Oui, un peu. Oh mon Dieu. Ok. Repose-toi, mon chéri. Je pars rapidement laisser Isabelle à l'école. À mon retour, je te donnerai le médicament. Maman, aussi, je ne vais pas aller à l'école aujourd'hui. Est-ce une blague? Maman, je ne blague pas. Je n'irai plus jamais à l'école. Mirabelle, ok. Où se trouvent tes chaussures? C'est dans ma chambre. Ok, dans ce cas, va le prendre. Non! Lève-toi et va porter tes chaussures. Non! Debout, je crois que je blague. On y va. Vite, passe devant. On y va. Maman, je ne partirai pas. Nae, Ujemba. Non. Nae. Hey. Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? Nae, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire. Biko. Hey. Ethan, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Mon cher ami, je t'en prie. Prends bien soin de ma famille. Que Dieu nous en épargne. Tu ne mourras pas. Écoute mon frère, rien ne va t'arriver. Amen. Est-ce que tu m'as écouté? Amen. Et surtout, on doit l'amener rapidement à l'hôpital. Hein? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez contacté Kenechi? J'ai essayé de l'appeler autant de fois et il fait semblant qu'il ne m'écoute pas. Je sais pas ce qui se passe. Hein? Bon, continuez de l'appeler. Hein? Moi, je vais aller chercher un taxi et on doit l'amener rapidement à l'hôpital. Hein? Je reviens, mon frère. Dalo, hey. Dalo. C'est pourquoi j'ai vous vanté. Merci. Na, écoute-moi. Rien de mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Tu vivras longtemps. Rien de mal alors ne t'arrivera. Maman, pas de réseau. T'inquiète, ma fille, ça ira. Bonjour, voici ce que vous m'avez demandé. C'est ça. Ok. C'est combien cet abacha? Elle m'a dit que c'était à 750. 750? Oui, c'est ça. D'accord, Bella. Messieurs, combien d'argent pouvons-nous prendre, Chiké et moi, pour notre nourriture? Monsieur? Madame? Qu'est-ce que tu as dit? Combien d'argent pour qu'on mange? Chiké et moi. T'as dit que ça c'est combien? 750. 750. Dis-le de mettre 250 pour lui. Ok. Mais, et moi je mangerai quoi? Et pour toi? Tu n'as pas mangé à la maison? J'ai mangé, mais Chiké aussi a mangé à la maison. Arrête de te comparer à Chiké. Ouais, c'est moi le patron. Chiké est mon assistant. Oui, parce qu'il a passé des années à me servir avant que je vienne te chercher au village. Alors pourquoi tu cherches à te comparer à Chiké? Je mange abacha, Chiké va manger abacha, et toi si tu veux manger abacha. Ce qui veut dire que nous sommes tous dans la même catégorie maintenant, n'est-ce pas? Non, monsieur. Tu ne respectes pas la hiérarchie? Non, monsieur. Mon ami, disparaît ici. Dis-le de mettre 250 naira d'abacha pour Chiké. Et toi, attends, arrivé à la maison, tu mangeras animal. Le patron mange abacha, l'assistant va manger abacha, et le serviteur aussi veut manger abacha. Es-tu de la classe de ceux qui mangent abacha? Tu m'avais dit que tu étais malade et que tu devais rester à la maison te reposer. Alors comment ça je t'ai trouvé en train de jouer? Explique-moi. Maman, je me sens bien maintenant. Sérieux? Oncle Richard et son ami me dérangent. Oncle Richard, mon frère est revenu? Oui, il est revenu. Ok. Il est venu avec une fille. Tu connais la fille en question? Oh. Allons plutôt dans ta chambre, parce que tu dois faire tes devoirs. Ton prof était très inquiet quand il a appris que tu étais malade. Mais à mon retour, je t'ai trouvé en train de jouer. Tu dois essayer d'être sérieux avec les études. Laisse ça, ne ramasse pas. C'est pas si important. Tu dois d'abord faire tes devoirs et on verra. Adana! Tchai, Adana! C'est ce que tu fais dans ma maison? Adana! Fais sortir cette fille tout de suite de ma maison. Adana, non, ne vois-tu pas que je suis occupé? Je dis, lève-toi et quitte ma maison, fais vite! Non, Adana, pourquoi tu fais ça? Elle est mon invitée! Adana, qu'est-ce que tu fais? Richard, je crois déjà t'avoir averti. Mais ça, c'est la dernière fois que je t'interdis de ramener de prostituées dans ma maison. Pour l'amour du ciel, Franck, ça c'est mon lit conjugal. Adana, ta maison conjugale vraiment. Mais ne va même pas là-bas. Ne fais même pas mention de ça. Hein? Parce que je suis très sûr que cet idiot que tu appelles Franck, ton amant, t'entend dans ta chambre. Donc va le voir et laisse-moi m'amuser. Tu la fermes. Ok, je me tais. Mon mari était inquiet à ton sujet. Il me demandait constamment où tu étais parti. Et de mon côté, je fais semblant de ne pas connaître là où tu étais parti. Mais toi et moi savions très bien que je sais là où tu étais. Je t'ai ramené en ville pour que tu fasses quelque chose de ta vie et non aller dans des boîtes de nuit et ramasser toutes les prostituées pour ruiner ta vie et perdre ton temps. Mais Adana, tu sais que tu fais ce que tu penses juste pour toi et pour moi aussi. Tais-toi, la ferme. Tais-toi. Mais Adana, écoute, je n'aime pas, je n'aime pas ça. J'ai décidé de la fermer. Tais-toi. Ça, c'est la dernière fois que je pousse à avoir ce genre de discussion avec toi. Arrête de ramener de putes dans ma maison. Ça, c'est ma chambre. Respecte-la. Respecte mon mari. Respecte-moi et respecte ma famille. Que ce soit ta dernière fois. T'es ramené de pute dans ma maison, je t'ai prévenu. Retiens-le. Mais, Adana, écoute, pour la cause de Dieu, je suis grand. Je suis maintenant adulte. Idiot. Regardez-moi, Adana. Hein? Un adulte à part entière comme moi? Regarde-moi cette femme, adulte à part entière que je suis, cette femme veut m'empêcher de jouir de ma vie comme je le veux dans cette maison juste parce que c'est la maison de son mari. C'est vrai, Adana? Oh, Motoudou, je suis très contente de te voir, mon amour. Tu m'as beaucoup fait attendre. Oh, je suis désolé, mon amour. J'ai été allé prendre de l'argent chez quelqu'un qui me devait quelque chose. Alors, comment tu vas? Hey, yeah. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, viens par ici, chérie. Tu es sexy, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? N'est-ce pas, tu m'as manqué? Pas du tout. Je suis en colère. T'es sérieuse? Qui est-ce? Qui est-ce? Ouvre la porte, je vais entrer. Oh, Junior, je suis occupée. J'ai un devoir, maman. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à le faire. Junior, s'il te plaît, je suis fatiguée, je dois me reposer. Est-ce qu'on peut le faire au courant de la journée? Je croyais que tu m'avais dit que tu étais occupée. Je suis occupée en me reposant, Junior. Ok, faisons ceci. Va dans ta chambre, ne sors pas jusqu'à ce que je t'appelle. Ok, maman. Viens par ici. Vas-y doucement. Ah, mais chérie, aide-moi à enlever ces trucs, non? Pourquoi tu presses? C'est drôle. Quoi? Oh mon Dieu. Ok, je lui dirai. Bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que ton père est malade. Ils essaient de t'appeler mais sans succès. Il est hospitalisé. J'ai bloqué son numéro. La fille a peut être dérangée dans cette Afrique. Quel est le problème? Papa est malade. Il est hospitalisé. Et hospitalisé? C'est pas si sérieux. Je les appellerai demain. Rappelle-le-moi. Tu sais comment je suis occupé. Rappelle-le-moi demain afin que je les appelle. D'accord. Où est ton frère? Est-il revenu? Non, non. Il n'est pas revenu. Il m'avait appelé au téléphone. Tu sais très bien que bientôt c'est les examens, donc il est là-bas en train d'étudier sérieusement pour les examens. Je vois. Ok, je le verrai demain. Ok. Mmh. J'espère que le repas te plaît. Ouais, bonne cuisine. D'accord. Oh, je pars, mais trouvez-les plutôt. Ojemba, je ne sais comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon mari. Merci beaucoup. Les dieux se souviendront de vous. Dalo Onai. J'aurais été un homme mort maintenant, si je ne t'étais pas montré plus tôt. Exactement. Je te suis extrêmement reconnaissant. Ah, merci. Ethan, mais tu n'as pas besoin de dire tout ça, non? N'est-ce pas, nous sommes des vrais amis? C'est vraiment inoubliable. Oh, mon cher, tu n'as pas besoin de dire tous ces merci. Hein, mon cher, merci. Oh, tu es mon vieil ami, n'est-ce pas? Et je serai toujours là pour t'aider, hein? À chaque fois que tu en auras besoin. N'est-ce pas, on doit être ensemble dans les bons moments et dans les difficultés aussi. Je n'ai fait que t'aider. Dalo, oui, merci beaucoup. Hein? En tout cas, merci. Hein, nous sommes dans le monde. Biko, est-ce que vous avez des nouvelles de Kenechukwu, ton fils? Non. J'avais essayé de l'appeler, mais il ne répond pas à son téléphone. Je vais continuer à l'appeler. Hé, hey, mais pourquoi il se comporte comme ça, Kenechukwu? Hein? Richard, de combien est-il question? Richard, tu n'es pas supposé déranger ce vieux-là au village quand je suis là. Je peux facilement prendre soin de toi. C'est mauvais ce que tu fais. Tu es en ville et tu déranges les gens au village pour l'argent. Ça ne se fait pas. De combien est-il question? T'inquiète, envoie-moi tes détails. Je te transférerai 250 000. Patron, bonjour. C'est comment, juste pour l'argent? Vas-tu te taire? M'as-tu donné de l'argent à garder pour toi? M'as-tu donné de l'argent à garder pour toi? Une simple question. Est-ce que tu as fait ça? Veux-tu que je te condamne un œil? Quitte cet endroit. Tu devrais être à la boutique à cette heure. Ah, reviens ici. Je dis quitte cet endroit. Tu devrais être dans la boutique à cette heure. Argent, 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 argent. Tu as gardé de l'argent auprès de moi? Sais-tu comment je gagne mon argent? N'importe quoi. Je vais bien. Non, c'est mon petit frère. Oh, t'inquiète pas. On va se voir tout à l'heure. Salut. Bonjour, madame. Madame? Peu importe. Qu'est-ce que tu as? Ce sont les habits du patron. C'est le pressing qui nous les envoie. Tu sais très bien que mon mari n'est pas à la maison. Et Kate est à l'école. Alors pourquoi tu frappes à la porte? S'il vous plaît, prenez-le, madame. Madame? Allez, mais qu'est-ce que tu as? S'il vous plaît, prenez-le, madame. C'est quoi le problème? this hour. Je ne savais pas que c'était si sérieux quand Kiro m'a appelé au téléphone. Ouais. Je suis content parce que moi, ce papa est en vie. Ce n'est pas sérieux quand même me l'a présenté au téléphone. Franchement, la manière dont elle me l'avait présenté, c'était comme si papa mourait. Mais regardez le nom, il est bien, ce n'est pas sérieux. Les femmes amplifient les choses vraiment. Grâce à Ojemba, puisqu'il a intervenu pour que ton père soit en vie et en forme. Il était mourant. Vraiment? Mais Dieu, papa, non. Dieu n'a pas permis la mort. Papa est trop jeune pour mourir. Non, papa ne va pas mourir. Hein? Papa, tu as encore des années devant toi, non? Donc ne meurs pas maintenant. Hein? Tu as des années devant toi. Ouais. Quel es-tu, mon fils? Ah, papa. Et à propos de ce toi qui soins, que tu avais promis que tu m'aiderais à fixer. Hey, est-ce que c'est... Ça n'a pas cessé de nous déranger ici. La pluie n'a pas cessé de nous déranger depuis. Est-ce que ce toit coule toujours? Rien n'a jamais été fait pour ça. Ah! Rien du tout. Vraiment, hein? Papa, j'ai complètement oublié, Ah, le toit qui coule. Nkiro, va appeler le charpentier du village et dis-lui de venir me voir. Et qu'il nous dise le coût. Au moins que je sache combien ça va coûter. D'abord, pour savoir ce que je peux faire. Ouais. Non, non. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, mon fils. Il te bénisse aussi. Nous en avions quand même besoin. Non, il n'y a pas de souci. Boss, ça a vraiment l'air sérieux. C'est vraiment sérieux apparemment. Écoute, je déteste ça. Est-ce que tu m'écoutes? Je déteste ce que tu fais. Ils t'ont dit que ça coule à l'intérieur. Et tu es ici faisant comme si tu veux ériger un manoir. Mon ami, focalise-toi sur les parties nécessaires et arrête ce que tu fais là. Oui, bien sûr, mais apparemment c'est... Est-ce que c'est l'intérieur ici? Est-ce que quelqu'un dehors ici va à l'intérieur et fait le nécessaire? C'est ce que vous faites. Tu veux que je dépense inutilement, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, combien ça va coûter? Eh oui. Odogo, nous devons acheter 2 faisceaux de tôle ondulée qu'on va découper, puis on va utiliser pour fixer la toiture. Parce que, à ce que je vois, il y a vraiment un sérieux travail à faire là-dedans. Donc, pour que cela soit bien fait, il faudra vraiment qu'on fasse ça. En tout cas, c'est ce qu'il faut acheter pour pouvoir se mettre au travail. Donc, tu ne réfléchis pas avant de parler. 2 tonnes de tôle. Pourquoi? Allons-nous reconstruire la maison? Tu ouvres ta bouche. Bah! C'est toi qui vas le financer. Réponds-moi à la question. Tu vas payer pour ça? Mais au fait, c'est ce qu'il faut acheter pour arranger tout ça. Mon ami, achète du masque. Tu m'écoutes? Buy du masque. Et ferme les ouvertures. Partout où il y a écoulement, ferme ça. C'est très simple. Pourquoi vais-je acheter 2 paquets de tôle? Mais monsieur, regardez, la tôle, elle est déjà faible. Elle-même est déjà en train d'affecter presque tout le toit. Si on ne fait rien, tout ça risquera même de tomber un jour. Essayez au moins de trouver un moyen. Ce n'est pas vraiment si cher que vous ne le pensez. 2 faisceaux de tôle. Et nous allons acheter en... Que 2 paquets de tôle te tuent là-bas. Vas-tu payer pour les 2 paquets de tôle? Vas-tu payer pour ça? Merci pour ton temps. Tu peux t'en aller. On va te revenir. Ok, merci. Je m'en vais. Si tu veux, ne t'en va pas. Quitte ici, au gars. Je m'en vais, maman. Que Dieu vous protège. Surtout, prends soin de toi, mon fils. Prends soin de toi. Hein? Nous allons te rappeler, hein, d'une manière ou d'une autre. N'importe quoi. Ce petit travail, tu veux en profiter pour régler tous les problèmes de ta famille. Keletchukou, maman, tu ne pourrais imaginer ce qu'on t'a dit. Cette maison sointe partout. J'aurais souhaité que la pluie tombe pour que tu comprennes de quoi est-ce que nous parlons ici. Hein? S'il te plaît, aide-nous à les réparer. Fais-les pour nous. Biko. Maman, nous disons la même chose. Nous cherchons une solution. T'inquiète, viens, Kiro. Grand frère. Viens. Prends. Prends de ma main. Quel est ton problème? As-tu jamais gagné de l'argent dans ta vie? Va au marché. Achète du masque. C'est soit 70 ou 80 naira. Et quand tu reviens, ou même mieux, si tu ne veux pas acheter du masque, achète du chewing-gum 100 naira. Appelle tes amis et mâchez-le pour 2 heures. Puis avec le chewing-gum ou le masque, couvre les ouvertures. Est-ce que tu me comprends? Si tu es trop court pour le faire, papa peut t'aider à fermer les ouvertures. Ce qui est important est de les fermer afin qu'elles ne fassent plus couler de l'eau. C'est aussi simple que ça. Grand frère. Sœur. Es-tu en train de blaguer? Je ne comprends pas. Apparemment, c'est comme si tu es inconscient que papa est très malade et que ça ne va pas. Est-ce que tu es la bouche de papa? Es-tu son porte-parole? Non, dis-moi, qui a fait de toi le porte-parole de papa? Donc papa ne peut plus parler lui, mais c'est toi qui me dis maintenant que oh, papa est faible. Est-ce que ça va apporter de l'argent? Mon ami, quand on t'envoie avec un message, va le transmettre fidèlement. Penses-tu que c'est facile de trouver de l'argent? Quel es-tu, mon fils? Papa. Je suis sûr que tu sais que je ne peux pas me déplacer pour aller n'importe où. Mes jambes sont faibles. Très, très faibles. Papa, je ne refuse pas cette réalité, mais il n'y a pas un grand problème là-bas. Tu es un charpentier retraité. Donc, tu es bien positionné pour t'aider toi-même. Lorsqu'on va acheter le truc, ok, ne vous en faites pas. Je vais chercher un homme et lancer dans ce village pour venir vous aider. Très bien. J'arrive. Kelechi, ce n'est pas bien ce que tu fais. Allez, bébé. Qu'est-ce qui te dérange? Rien du tout. Vas-y, chérie. Parle-moi. Une très petite demande. Où est-ce que ça se trouve? Écoute, je suis en train de travailler. Tu dois être patient. C'est aussi pareil pour toi. Tu devrais aussi être un peu patiente. Là, tu me préviens. N'est-ce pas toi qui m'as prévenu avant? Peu importe. Reviens ici, où est-ce que tu veux partir? Avec cette attitude, qui vraiment va l'accepter? Hein? Bon, finalement, tu sais très bien pourquoi j'ai dit tout ça. Hein? Tu le sais très bien. Tu es au courant de tout. Je t'avais dit que je vais le résoudre. Donne-moi juste un peu de temps. Juste, regarde-toi. Mes enfants vont bientôt rentrer de l'école. Et tu nous as perdu les dons bêtement. Ah, ça, ce sont des petites choses, non? Ça, ce sont des petites choses. Laisse-moi juste le temps, je vais bien te faire. Tu sais, de toute façon, tu as un joli corps là. Si seulement tu me laisses le temps, je vais bien te faire. Allez, tu sais bien que je suis un bon joueur, un bon joueur. Viens ici, on va aller d'abord essayer. Allons-y, on va essayer. Comme ça, ne me dis pas que tu as mal au corps. Tais-toi. Tu dis que ce téléphone est bon? Mec, mon cher, apparemment tu connais pas ça, oh. Attends, je vais vérifier quelque chose. Quelle est la marque du téléphone? iPhone 15 Pro. Écoute, ce téléphone, je l'ai acheté tout neuf, oh. C'est moi-même qui l'ai acheté. Tu dis iPhone 15 Pro? Oui, 15 Pro. Tu sais à combien on le vend au marché? Écoute, sachez-moi, je vais te surprendre. Je vais appeler ma soeur maintenant même. Combien tu as dit que tu le vends? Tu sais, ce téléphone, je vais vraiment pas trop te déranger pour le prix de ce téléphone. Ouais. Prends-le à 150 000. J'aurais dit 180 pour quelqu'un d'autre, mais vu que toi tu es mon ami, tu vois un peu. Juste bien, bien, bien. Non, écoute, attends. Donc si je te donne 150 000 naira maintenant, automatiquement ce téléphone deviendra mien. Oui. Oui. Satima, tu es en train de m'enthousiasmer. Attends, je vais appeler ma soeur maintenant. Tu vois, c'est téléphone. Attends, je vais appeler ma soeur. Mais vas-y, vas-y, dépêche-toi, non? Parce que j'ai d'autres clients, donc il faut que je parte là. Donc dépêche-toi de donner. Attends. Alors, ah mon ami, hein. Mon gars, tu vois ce téléphone? C'est moi qui l'ai commandé ici. Où est-ce que tu vas comme ça? Attends, non, j'appelle ma soeur. Vas-y, appelle là. Et surtout, fais vite, parce qu'il n'y a vraiment pas de temps. Ma soeur, si, je ne sais pas pourquoi elle ne décroche pas son appel. Je voulais te faire un transfert rapide et avance ce téléphone. Dis-moi encore, quelle est la marque? iPhone 15 Pro. Mon gars, c'est mon frère qui me l'a envoyé des États-Unis hier. Tu es sérieux? Je te dis, mon cher. 150 000. Oh, et ça m'appartiendra. Juste 150 000 euros. Écoute, pour avoir accepté me laisser ce téléphone à ce prix, c'est mon Dieu qui va te bénir. Chetima, écoute, hein, je te promets que ce téléphone, je vais l'acheter. Attends, je vais appeler ma soeur. T'inquiète pas. Hein? Détends-toi. Je vais voir encore ce téléphone. C'est un meilleur téléphone. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. Tu vois ce téléphone maintenant? Hein? Il m'appartient déjà. Je vais payer pour ce téléphone maintenant. J'aime bien ton courage. Si c'était une autre personne, elle n'allait pas me payer. Donc il va bientôt t'appartenir, mon vieux. Ma soeur ne décroche pas l'appel. Je ne sais pas pourquoi ma soeur ne décroche pas l'appel. Écoute, mon gars, tu ne crois pas qu'on devrait plutôt aller là-bas? Calme-toi, ce téléphone, je te promets que je vais l'acheter. Calme-toi. Tu vois pourquoi est-ce que tu es mon gars? Viens avec moi. Monte dans la voiture. Tu es sérieux? Je vois que tu es contente, hein? Hey, n'est-ce pas qu'un enfant veut toucher au feu, on doit les laisser? Tais-toi. Je t'avais bien prévenu, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Bébé, je retourne à mon poste de travail. Ok. Je n'ai pas oublié mes cartes. Laisse-moi un peu chercher mes cartes, s'il te plaît. S'il te plaît, fais vite. Oh, mon Dieu, Richard. Mais pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles sûrement ce concerne l'argent. Je t'ai connu. Ok, c'est bon. Richard, quoi? J'ai vu tes appels manquer. Tu as besoin de moi? Tu as besoin de moi, c'est pour ça que je dois me déranger au téléphone? C'est bon, j'arrive. J'arrive. Ah, Seigneur. Écoute, sœur, je n'ai pas compris. Tu m'as fait attendre trop longtemps dans cette chambre. Là, je t'ai appelé au téléphone, tu m'as dit t'attendre et je t'attendais depuis ici. Richard, qu'est-ce que tu veux? Donc, Franck, ce vaurien, ce portier que tu appelles, ton petit ami, est plus important que moi maintenant, hein? Voici, Franck. Dis-moi ce que tu veux. Adanna, tu vois, quelquefois je ne comprends pas. Ok, pas de problème. J'ai un problème maintenant. J'ai un problème financier maintenant. S'il te plaît, peux-tu m'aider avec 25 000 naira? S'il te plaît. 25 000 naira, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Hein? Adanna, vas-tu m'aider ou non? J'ai besoin de 25 000 naira maintenant. Est-ce que tu vas m'aider? S'il te plaît, j'ai urgemment besoin de cet argent, s'il te plaît. De l'argent il y a seulement quelques jours. Adanna, j'ai utilisé l'argent pour quelque chose de très important il y a quelques jours. S'il te plaît, vas-tu m'aider avec l'argent ou non? S'il te plaît, j'en ai besoin. Adanna, dis-moi, vas-tu me donner l'argent ou non? En venant, je suis en train de voir une voiture parquée là. Où est Kenechukwu? Hein? Ojemba, il est dehors, il est déjà sorti. Hey! Il est déjà sorti. Hey, je ne peux pas le croire. Ça vraiment, c'est pas croyable. Ça veut dire, qui vraiment peut croire que Kenechukwu est revenu et t'a trouvé dans cette condition après avoir passé des moments difficiles? C'est pas possible. Je ne peux pas l'accepter, c'est pas normal. Ojemba, Ojemba, il n'est pas encore rentré, il n'est pas de retour, il est là. Il nous a dit qu'il devait aller voir quelqu'un. Il est là. Il n'est pas encore je ne suis pas d'accord avec ça. Si ça c'est le cas, je vais récupérer l'argent que j'ai dépensé pour toi à l'hôpital. Je vais le récupérer. Ojemba, je t'en prie. Si jamais il ne me donne pas cet argent, je te le donnerai quand je vendrai les produits de ma ferme. Je t'en prie. Hey! Je ne sais pas du tout ce qui se passe avec mon fils Kelechi. Il nous a presque tous oubliés. Mais bon... Il a changé. Depuis qu'il a épousé cette femme sorcière... Ne dis pas ce que tu ne maîtrises pas, s'il te plaît. Maman, est-ce que c'est vrai? Grand frère Kelechi a changé depuis qu'il a épousé cette femme sorcière. Il ne nous avait jamais menti auparavant. Oublions cela, je vous en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Mon ami, mon meilleur ami. C'est toujours comme ça. Je n'aurais pas pu demander si vous n'avez pas eu de moyens pour retourner cet argent. Mais aussi longtemps que votre fils est là. Nayo Ojemba, c'est comme mon mari vient de le dire. Dès que nous vendons le produit de notre ferme, nous allons voir comment vous rendre votre argent. Hey! Ogo! Ok, Ogo! Ogo! Odogu, ok! Le boss incontesté! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie de la richesse à volonté! La multitude en un! Mon chouchou l'unique! Wow! J'espère que tu es à l'aise dans la maison. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment bien. Laisse-moi te dire d'ailleurs que tu as fait un travail vraiment remarquable ici. Chai. Je suis au top de cette ville maintenant. Les gens dans la communauté me respectent énormément maintenant. Honnêtement, je suis fier d'être appelé aujourd'hui ton beau-père. Merci beaucoup, ce qui fait de moi un vrai beau. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, je ferai plus. Mon fils. Dans les 2 ans à venir, ton niveau va changer. Ici va devenir un manoir. Oh, merci. Je ferai davantage. Merci infiniment, mon fils. Mais sinon, tu vois ces habits extrêmement chers que tu m'avais achetés. C'est toujours avec ces habits que je me promène sur les rues sales de la communauté. Ce qui veut dire, il te faut une voiture. Exactement. Fait. Hein? Fait. Donc je n'ai qu'à attendre. C'est fait. Oh! Ogo! Mon fils! C'est fait. C'est fait. Oui, cher client. Par ici. Hey! Mon ami, quoi de neuf? Mon gars. Oui, mon ami. J'ai fait un mauvais rêve la nuit dernière. Mauvais rêve? Sur qui? Sur mon père. Je ne pense pas que tout aille bien avec lui. Parce que je rêve difficilement, moi. Parle de ça à ton frère, bon sang. Mon frère ou mon patron? Il m'a dit plusieurs fois. Il m'a même interdit de l'appeler mon frère. Alors, je ne lui parle même plus. Je l'appelle seulement mon patron. Mais je ne le blâme pas. Après tout, nous ne sommes pas d'une même mère. Ah, oublie ça, mon gars. Il est bien de ton sang, c'est ton frère. Tous les deux portaient le même nom. Et vous êtes même du même père. Arrête d'avoir peur de lui, mon cher. Tu es un homme, prouve-le. Si tu as peur de lui, qu'est-ce que tu t'attends à ce que moi, qui n'a aucune relation avec lui du tout, que je puisse faire des mois? Chiké. Non. Il t'aime plus que le même moi, son frère. Il aime qui? Peut-être qu'il aime plus. C'est moi qui l'aime. Je le sais pas. Au gars, même moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Dis-moi. Je vais seulement lui parler du rêve. Parle de lui. Je vais te courager, mon gars. Tu es un garçon, alors prends courage. Sache que Oga, il reste ton frère, mec. Je vais seulement lui parler, même si je ne sais pas encore quelle sera sa réaction. Oui, j'ai déjà compté toutes ces marchandises, voilà un peu. Donc, je sais très bien en tête ce qui reste et tout ce qu'on va devoir vendre aujourd'hui. Qui est là? Oui, monsieur. Bonjour. Je viens pour acheter des groupes. À combien vous le vendez? J'ai besoin de 2 groupes. Venez, entrez. J'ai besoin de 2 groupes électrogènes. Quelle capacité? Un seul, je crois. Regarde un peu ça. 250 000, juste pour toi. un bon prix pour toi. Et vous avez aussi le groupe qui va m'aider à pouvoir y passer. Pour pouvoir y passer. Pour y passer. Le voilà là-bas. Celui-ci a 200 000. Celui-ci peut supporter deux fers. Oui, c'est 70 000. Passer en même temps. Oui. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous mentir, hein? 70 000. Et qu'est-ce que vous dites maintenant? Ah, monsieur, venez, entrez, entrez. Mais arrêtez d'hésiter, non? Allez-y, oui, allez à l'intérieur, vous en verrez plus. Pendant ce temps, moi, je vais essayer de trouver d'autres clients. Venez, par ici, par ici. Maman, j'ai vu la sentinelle manger avec nos assiettes. Chérie, as-tu fait tes devoirs? J'étais sur le point de le faire avant que je ne voie cet homme. Ok. Junior, va dans la chambre faire tes devoirs. Mais maman! Je dis, va dans ta chambre maintenant. Maintenant, va faire tes devoirs. Hein? Honnêtement, je ne sais toujours pas ce qui se passe avec ce Kenechukwu. Ne te dérange pas pour lui, oh. Dieu qui est dans les cieux, il voit toutes choses. Il nous aidera. Nous sortirons dans cette situation. Non. Maman. Non. Merci beaucoup. Papa, comment tu vas? Je fais ce que je peux, mon fils. Gloire soit rendue à Dieu. Oh. Je vous ai acheté des ignames. Oh. D'Adane. Oh, mon fils. Merci. Hein? Merci. Ouais, Nkiro. Nkiruka. Viens, Nkiro. Nkiro, tu étais où? Viens ouvrir ce capot. Fais sortir les ignames que j'ai achetés. Ça fait tellement longtemps que nous avons mangé ces ignames. Ouais. Ton père en avait vraiment besoin. Mon frère, tu m'as demandé de prendre quoi? Es-tu aveugle? Fais sortir les ignames que j'ai achetés. C'est normal. Elle venait de la maison. Elle n'a pas entendu ce que nous étions en train de dire. Fais-moi le capot. Pourquoi tu fais ça? Fais-moi le capot. Tu ne le vois pas. Regarde bien dans le coffre. Grand frère, je ne vois pas ce que tu m'as dit de prendre. Oh, es-tu sûr? J'ai dit, fais sortir les ignames que j'ai achetés pour papa. Écoute, I-M-A-G-E-S, c'est au pluriel. Hein? Grand frère. Fais mon capot, pourquoi tu m'ennuies? Cette fille... Grand frère, c'est ce que tu m'as dit de prendre comme igname? Non, c'est la physique que je t'ai demandé de faire sortir. Quel est ton problème? Grand frère, attends. C'est comme si tu n'avais pas vu de bons ignames. Qu'est-ce que tu as acheté ici? Donc tu n'as pas reçu l'éducation. Qui es-tu pour remettre en cause ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu ne vois pas ici? Je vais te gifler maintenant. Es-tu malade? Hein? Allez, je ne te blâme pas, non? Parce que tu ne sais rien faire. Allez, pardon, le matin, merci maman. À midi, merci maman. Bon. Le soir, merci maman. Sais-tu comment trouver de l'argent? Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai acheté des ignames et tu as le culot de me demander si c'est les ignames que tu as demandé de sortir. Non, c'est des patates. Animal. Kenechukwu, c'est bon. Kiruka, prends-les, mets-les à la maison. Sais-tu combien j'ai acheté ces ignames? Le sais-tu? J'ai acheté ces ignames avec mon argent durement gagné pour papa. Et l'eau de me remercier, tu es là à me dire qu'elles sont petites, que le tonnerre te foudroie. J'ai déjà dit merci à sa. Non, elle doit me présenter des excuses. C'est une insulte. Elle doit présenter ses excuses. Elle va te demander pardon. Allez, reviens. Vite. Reviens et demande pardon à ton frère. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour gagner de l'argent, toute sa vie me dit que j'ai acheté de petites ignames. Allez, bois, achète-toi. Demande pardon à ton frère. Vite. Je suis désolée. Désolée pour toi, mais misérable. Je ne te blâme pas. Disparais de ma vue. Va te marier, quitte cette maison. Tu es trop grande pour toujours rester ici. N'importe quoi. Non, merci. Oh. Merci. Ça va aller, ça va aller. Nous avons beaucoup aimé, hein. Keletchukou, mon fils. Papa. J'ai un ami, Mazi Ojemba, qui avait payé pour mes soins médicaux. Mais là, il me demande de pouvoir lui rembourser. Oh, Mazi Ojemba, ton ami, a payé pour les soins. Il doit être un homme merveilleux. Un homme très gentil. Oh. S'il vous plaît, j'ai besoin de son adresse pour aller le voir. Je dois aller le visiter pour le remercier. Il a bien fait. Ce n'est pas seulement le remercier, mais lui restituer son argent. Il voulait la restitution. Exact. Lui payer son argent. Je pensais qu'il était ton ami. Ah, c'est son ami. Mais il nous avait prêté cet argent pour que nous soyons en mesure de prendre soin de ton père. Tu comprends? Il veut un remboursement. Nous savions que tu allais rembourser cet argent, alors s'il te plaît. Hein? Si tu peux le faire un peu vite, ça nous épargnera. Maman, calme-toi. Est-ce que c'est ton argent? Non. Est-ce que tu as le porte-parole de l'homme? C'était la condition avant qu'il ne sorte de l'hôpital. On devait payer cet argent. Tu comprends? Hein? Il vient à peine de sortir de l'hôpital. Papa, détends-toi. J'irai voir ton ami et je lui parlerai, ok? Donc, détends-toi. Puis-je maintenant me lever? Je te remercie même avant que tu ailles là-bas. Merci bien. Ok. J'ai cru que nous étions dans le trouble. Kiro, s'il te plaît, dépêche-toi là-bas, hein? Ton père veut manger, oh. Il a faim. À ce que je vois, il a toujours bon cœur apparemment. Maman. Odogu. Papa. Il fait tard, je dois retourner en ville. Maman, papa, gère-moi ça. J'ai donné 500 à Nkirunka. Seulement ça? Papa, les choses sont dures. Les choses ne sont plus les mêmes. Donc, acceptez, gérez-moi ça jusqu'à ce que je revienne. Hein? Ah, merci. Vous n'allez pas me souhaiter bon voyage? Vous pensez que c'est facile de faire sortir de l'argent? Bonne route. Bonne route. Ce n'est pas facile. Que Dieu te bénisse. Prenez soin de papa. Bienvenue, merci. Dis-moi, comment va papa? Waouh, ton père va super bien. Il a aimé la nouvelle maison que j'ai fait construire pour lui. La maison là est jolie. Je te crois. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille et moi. Allez, chérie, tu mérites plus. Ton bonheur est ma priorité. Je sais, je t'aime. Merci, tu es si impeccable. Merci. Maintenant, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jason. Vraiment? J'espère que tu lui as apporté quelque chose. Parce que si tu ne l'as pas fait, je te conseillerais rapidement d'aller en trouver. Va chercher quelque chose pour lui. T'inquiète, je ferai ça. Tu me connais bien, non? La table est déjà dressée. On y va à table. Oh. Laisse-moi t'aider avec ça. Merci. Tu dois t'aider. Chérie. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Ta nourriture est à l'intérieur. Va manger. Je n'ai pas faim. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Maman, je n'aime pas la façon dont le grand frère nous traite dans cette maison. Franchement, c'est parce que nous ne sommes pas issus d'une même mère. Je lui avais dit par rapport à mes études, mais jusque-là, il ne dit rien. Pourquoi il est irraisonnable et méchant, maman? Ne dis pas ça. Non. Est-ce que tu sais comment il vit là-bas, en ville? Les sais-tu? Maman, pourquoi est-ce que tu permets à ce qu'on te fasse ces bêtises et tu ne dis rien? Pourquoi vraiment est-ce que tu acceptes ces mensonges, maman? Maman, avais-tu bien regardé les ignames qu'il nous avait apportés? Ou le déminéra qu'il avait donné à papa? C'est comme j'ai dit avant, tu ne sais pas ce qu'il vit là-bas. Tu ne connais pas ces challenges, alors ne te laisse pas faire. Il est temps que je regarde très bien celui que j'appelle mon frère. Oui, et je pense qu'il a quelque chose d'étrange. Comment s'est passée la vente d'aujourd'hui? Nous remercions Dieu pour ça. Es-tu stupide? Qu'est-ce qui concerne Dieu dans la vente d'aujourd'hui? Je t'ai demandé comment était la vente d'aujourd'hui, tu me dis Dieu merci. C'est le diable que tu voulais remercier avant. Mon ami, parle-moi. Nous avons fait quand même des bonnes ventes aujourd'hui. Tu sais quoi? Demain matin, je veux voir ton cahier de vente avant que tu n'ailles à la boutique. Est-ce que tu m'as compris? Oui, monsieur. J'en ai fini avec toi. Pourquoi tu bouges comme un crétin? Désolé, monsieur. Ça concerne papa. J'ai eu un mauvais rêve le concernant la nuit dernière et j'ai vu que tout n'allait pas bien avec lui. Alors, avec votre consentement, j'aimerais aller là-bas au village voir comment les choses se passent avec lui maintenant. Eh, Joseph, le rêveur. Joseph. Tu as rêvé que papa est malade. Ok. Maintenant, dis-moi, si tu vas dans ce village maintenant, hein, et on te demandait 10 000 naira pour les factures d'hôpital, que ferais-tu? Tu ne veux pas parler? Si tu vas dans ce village et on te demandait de sortir 10 000 naira, que ferais-tu? Je vois. Tu es en train de me dire indirectement que tu voles mon argent et que ça te démange la peau. Ça te démange la peau, tu dois le dépenser. Donc tu voles mon argent, n'est-ce pas, criminel? Non, tu veux aller dépenser mon argent que tu voles. Non, c'est pourquoi tu me dis que papa est malade. Papa est malade, tu veux aller. Si tu ne voles pas mon argent, avec quel argent veux-tu aller? Si tu es fatigué de travailler pour moi, dis-le afin que je te renvoie chez tes parents misérables là demain matin. Non, monsieur. Maintenant, disparais de ma vue. Merci, monsieur. Va-t'en d'ici. N'importe quoi. Chérie, mais c'est quoi cette blague? Je t'avais demandé 100 000 naira et tu m'as transféré 80 000 naira. Non, quelquefois, achète ce dont tu as besoin et non ce que tu veux. Tu as demandé 100 000, je t'ai donné 80. Gère ça, les choses sont difficiles. Hein? Tous les jours ne sont pas dimanches. Vraiment? Non. Ok. Hey, reviens, oh, reviens. On ne blague pas avec toi. On ne plaisante pas avec toi. C'était un amusement, non? Je sais que avec ce visage, on n'aura pas la paix. Je ne te toucherai même pas cette nuit. Je ne suis pas prêt pour le querelle, s'il te plaît. Je vais le compléter. C'est bon. Tu sais que je ne te demande pas souvent. Donc, si jamais je te demande... Je te fais quelque chose. Tu n'as pas beaucoup de demandes comme ça. Regarde celle qui parle. Tu es une exigence même. Tu es une responsabilité. Tu consommes l'argent. Tu consommes mon argent. Mais tu ne peux pas finir mon argent. Continue à consommer, d'accord? Fais vert. tu aimes cette couleur, ou bien tu choisis une autre? Je crois que j'aime celle-ci. D'accord, pas de problème. Celle-ci aussi est bien. Entre. Même ça aussi, c'est pas mauvais. Bonjour, monsieur. Franck, comment tu vas? Bien, je viens juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et vous rappeler que vous avez promis d'augmenter mon salaire pour ce mois. Mais Franck, j'ai augmenté ton salaire, ça ne fait que 2 mois. Pourquoi tu demandes encore d'augmentation de salaire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te fait dépenser l'argent comme ça? C'est à cause de ça que tu as fait éruption sur nous? Je n'aime pas ça. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Va-t'en. Chérie, c'est pas comme ça. J'étais présente il y a cela 2 mois quand tu l'avais promis d'ajouter son salaire et tu l'avais fait. Et je me rappelle aussi que tu l'avais promis qu'après 2 mois, tu vas encore lui ajouter son salaire, mais tu ne l'as pas fait. Es-tu supposé faire ça? Tu es en train de soutenir mon portier devant moi. Non, chérie, je ne faisais que te rappeler ce que tu lui avais promis. Je voulais juste mettre la lumière là-dessus. Comme je l'ai dit, je ne suis pas d'humeur pour ça. Va-t'en, je te verrai après. D'accord. Merci, monsieur. Obi? Obiora! Obio mon gars, mais qu'est-ce qui... Ah! Comme si je ne parlais à personne, oh! Mais tu étais passé où? Dis-moi! Mais toi d'abord, tu viens d'où comme ça? J'étais là, toujours en mouvement, tu sais. Ah! Pourquoi es-tu comme ça? Je pense à retourner dans mon village sans son consentement. Sans le consentement du boss? Tu as dit? Gars, n'ose pas faire ça, oh! N'ose pas! Mais dis-moi! Qu'il en soit ainsi, oh. Qu'il en soit ainsi. Je suis fatigué de prétendre que tout va bien, alors que rien ne va bien. C'est de la vie de mon père que nous parlons ici, mon frère. Ok, comment me sentirais-je maintenant? Et si quelque chose arrivait à mon père et que moi je n'ai pas eu la chance de le voir, au moins une dernière fois? Mais Oga a dit qu'il était au village la dernière fois. Il a trouvé que tout allait très bien en tout cas. Je n'ai pas confiance en mon frère. Pourquoi penses-tu qu'il... Je n'ai aucune confiance en mon frère. Il a commencé à manipuler ma famille, ça fait maintenant longtemps, et je connais la cause. Laquelle? C'est clair que c'est parce que nous ne sommes pas d'une même mère. Ah, oui. Et c'est pourquoi même, il me traite comme il veut dans sa maison et même ici dans cette boutique. Obi, le patron s'inquiète pour toi. S'il ne s'inquiétait pas pour toi, il ne t'aurait pas ramené là-bas du village, jusque dans cette ville pour apprendre... Franchement mec, essaie d'y penser un peu, non? Hein? Mon gars, non, tu apprends ça bien. Donne-toi à fond mec. Apprends bien ce travail, les boss pourraient te libérer et qui sait, tu devenais ton propre boss. Bam! Mais qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai vraiment hâte de faire mes histoires à moi-même. J'ai vraiment hâte qu'il me libère enfin. Et enfin, je serai mon propre boss. Regarde-toi un peu, hein? Très bientôt, là, tu seras libéré et tu seras ton propre chef. Waouh! Oh mon Dieu! Alléluia! Amen! Très bientôt, mon gars, je suis vraiment impatient. Mais pourquoi ce n'est pas maintenant que tu reviens de la banque? Hein? Il y avait beaucoup de gens, tu sais, à cause du coronavirus. Hey! Je te dis, mon frère, c'était vraiment horrible. Je pense que tu ne fais pas de blague, hein? Tu crois qu'il y a la Covid? Hey! Pas ça, pas ça, arrête ça, arrête ça. Tes blagues là, arrête tes blagues là. Tu penses que tu vas me faire quoi? Tu me feras rien du tout. J'attends très bien la fête de Noël. La Noël cette année, ça sera très bien. Ma chère, je t'assure, ça sera terrible. Je te dis, tous nos frères. Ils seront tous là. Ça sera juste. Franchement, mon frère magnifique. Préparons-nous. Quand est-ce que le frère Nkelechi va venir chercher papa pour la ville, pour un bon traitement? Qui est mon frère Nkelechi? Le frère Keletchukou, pourquoi tu peux dire ça? N'est-ce pas qu'il est votre frère? Ma chère, depuis que papa est tombé malade, grand frère Keletchukou refusait de venir. Et à chaque fois qu'il vient, il nous donne l'argent. Demande-moi combien, non? C'était combien? 2 000 de son naira. Quoi? Non, 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 ce n'est pas vrai. Il vous a donné combien? Kiro, 200 naira. Et 2000 naira pour la maladie de papa. Et les 200 naira pour acheter des chewing-gums. Et puis il me demande de coller nos tôles avec les chewing-gums. Frère Keletchukou, il vous a donné 200 naira. Hein? Pour réparer les tôles avec les chewing-gums. Et avec ce même argent, vous allez aussi... Vraiment. Je te dis, 200 naira et 2000 naira pour papa. Attends un peu. Tu veux dire... C'est 200 naira, c'est... je ne comprends pas. C'est 200 naira pour acheter les chewing-gums. Ou c'est avec cette même somme que vous allez utiliser pour rembourser l'argent de l'hôpital? Attends, 200 naira mon œil. C'est pour acheter du crédit de l'hôpital. Ou c'est pour le contrôle? Je ne comprends pas. Je te dis non. 200 naira c'est pour acheter le chewing-gum. Que je le mâche et après avoir terminé, je vais prendre ces chewing-gums, je vais coller les tôles. Tu comprends? Je crois que le frère Keletchukou est un ritualiste. Et dans leur club, on ne leur permet pas d'aider les gens de leur famille. Oui, puisque c'est la seule chose qui empêchera un fils d'aider son père qui est mourant. Il est vrai que votre père est guéri, mais la pluie ne cesse de tomber sur lui et vous autres tous les jours. Je crois qu'il est ritualiste. J'en suis certaine. Ma chère, tu nous as vu nous plaindre. Nous consommons sa méchanceté. Cet homme est vraiment méchant. Et ce qui est grave, il s'est marié à une Isabelle. Nous ne sommes pas surprises. Ainsi va la vie. Partons, oublions ça, s'il te plaît. Oui. Kiro. Je t'ai déjà dit, laisse cette histoire tranquille. S'il te plaît, laisse ça, allons-y. J'attends mon frère bien-aimé, il va venir. Quelle couleur vas-tu choisir? Oh, arrête. Quelle couleur vas-tu choisir? À quoi penses-tu? Rien du tout. Recommençons encore. Quelle couleur vas-tu choisir? Oh, tu veux encore tricher? Quelle couleur vas-tu choisir? Oui. Ça, ça, ta, ça, ça, ça. À quel jeu encore on peut jouer? Continuons avec celui-ci. Jouons au Coca-Fanta. Je n'aime pas ça. Jouons au Coca-Fanta. Jouons au Coca-Fanta, mets ta main. Vas-y. Entre Coca, Fanta, quel goût veux-tu prendre? Fanta. Fantastique. Coca, Fanta, quel goût veux-tu prendre? Coca, Coca, Coca-stique. Coca, Fanta, quel goût veux-tu prendre? Fanta, fantastique. Je suis fatiguée, je ne peux plus jouer à ces jeux. Oh mon Dieu. Viens, on va recommencer, non? Non. À quel jeu veux-tu qu'on joue maintenant? Jouons au jeu des lits pâtés. Hey! Pouvons-nous dire à papa à propos? Je ne pense pas. La sentinelle mange avec les assiettes de mon père et tu me dis qu'il n'y a pas de problème? Écoute, allons dire à papa à propos. Ok, on lui dira après. Continuons d'abord à jouer. Quelle couleur vas-tu? Quelle couleur vas-tu choisir? S'il te plaît, je ne veux pas que tu te déranges pour ça, ok? Ou être stressé pour ce que je veux dire là maintenant. J'ai encore 2 jeux qui voient très bien. Donc tu n'as pas intérêt à me mentir. Mazi Ojemba, je t'en prie, oublie ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Dis-moi ce que tu veux me dire. Bien. Tu sais, je revenais juste de chez Ishekei. Quand j'étais parti voir ma belle-mère. Et alors, je me suis décidé ensemble avec Uto Biotia à aller dans la belle famille de Okochi. Hey, mon cher, tu ne vas pas me croire. Si seulement tu vois la construction moderne de sa maison, ton fils a vraiment construit pour son beau-père. Hey, tu vas vraiment te demander si ce fils est vraiment sorti de toi. Ojemba, lequel de mes fils parle-tu? Ethan, tu étais endormi quand je fais mention de Okochi. Ton fils a totalement transformé la vie de cet homme. Et la seule nouvelle que j'ai est qu'il est en train de planifier d'acheter une très nouvelle voiture pour son beau-père. Pas une ancienne, une bonne nouvelle voiture. Naï, je ne crois pas ce qu'il raconte. Hein? Tu ne veux pas me croire. Hey! Et puis tu sais quoi? La meilleure façon de me croire, c'est d'aller chez Ekochi et voir les choses par vous-même. Allez chez Ekochi, vous allez voir. Ekochi est maintenant en train de partager de la nourriture dans son quartier et tout ce qu'il y a dans sa maison. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est grâce à l'abondance des biens que ton fils lui a donné. Ojemba, je ne te crois pas du tout, Ojemba. Hein? Tu sais, tu dois vraiment être très prudent et savoir qu'il y a des choses avec lesquelles tu ne peux blaguer. Ethan, oui, toi non plus tu ne me crois pas. Ce n'est pas un problème. Un jour viendra, vous allez me donner raison, je vous le dis. Vous allez le voir par vous-même. Ok, que tu es devenu riche maintenant. Je ne te crois pas du tout. Je ne peux pas te croire. Qu'est-ce qui se passe ici? Patron, je quitte la maison. Comme tu n'as pas voulu augmenter mon salaire, j'ai beaucoup de responsabilités et je quitte la maison. Tu sais que je ne t'ai jamais connu avant. Tu travailles ici parce que c'est ma femme qui t'a recommandé en tant que quelqu'un venant de sa famille maternelle. Si tu as décidé, bon voyage mon frère, je ne force personne. Allez chérie. Pourquoi tu parles comme si tu avais déjà trouvé un autre agent de sécurité? Après tout, combien est-ce qu'il demande que tu ne peux pas l'aider avec ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous me mettez dans le bleu. Désolé pour ça, chérie. Il ne faisait que chanter tes louanges. Il a dit qu'il aime bien travailler avec nous, mais il a beaucoup de responsabilités et le salaire n'est pas assez. J'essaie de lui dire de se calmer et me laisser causer avec toi pour voir si tu peux ajouter quelque chose. D'accord. Je ferai ce que tu as demandé. Va à ton poste. Merci patron des patrons. Qui peut faire comme toi? Personne n'est comme toi. Patron des patrons. Je suis là. Nkirunka, dépose ces taux et tu viens. Nkirunka. Maman. Est-ce que tu sais qu'Nkelechi a construit une maison pour Nkechi? Une maison? Une maison. Je savais que les choses ont changé depuis qu'elle est épousée cette sorcière. Je le savais. Une maison? De l'immaginable. Kenechukwu, après tout ce que nous avons fait pour lui, il nous a abandonnés. Compliqué le monde, hein? C'est triste. Je rendrai visite à Ekochi pour voir les choses moi-même, avec mes yeux. Mbao, Nae, tu n'es pas assez fort pour aller jusque dans sa maison. S'il te plaît. Maman, si tu me demandes conseil, je te dirais de laisser papa d'aller lui dire là-bas où. Les jours où on va décider d'aller parler à cette femme face à face sur ce qu'il fait à notre frère, c'est le jour où nous aurons délivré. Êtes-vous sérieux? La maison? Maman, papa est déjà fort pour partir. D'ailleurs, il s'aimait lui-même déjà. Oh. Tout ça est vraiment très triste. Oh. Tout ça est vraiment très triste. Oh. Que je t'aime vraiment. Patron, patron, nous avons un grand problème. Oh. Quelques policiers sont venus chercher Richard. Quel Richard? Notre Richard. Mon frère? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit qu'il a volé, il a acheté un téléphone qui a été volé. Ah. Il a acheté un téléphone volé? Oui. Pourquoi Richard achèterait-il un téléphone? Richard. Quel commissariat de police? C'est dans leur quartier général. Direction générale. Oui, chérie, oui. Tu arrêtes. Non, t'inquiète pas. J'irai le ramener. Ouvre le portail. T'inquiète pas. Chérie, t'es sûre que tu ne veux pas que je vienne? Non, t'inquiète, c'est pas grave. J'irai le ramener, d'accord? Reste à la maison. Ouvre le portail. D'accord, messieurs. Oh. Ce garçon va me tuer un jour. Oh mon Dieu. Mon beau, Chai, je te jure. Je n'ai pas volé ce téléphone. Je ne savais pas que c'était un téléphone volé. Je te jure, ce téléphone, je ne l'ai pas volé. Je jure Dieu, je n'ai pas volé ce téléphone. Ouais, mais Richard, toi aussi, tu devrais savoir que iPhone est très cher. Ces pareils téléphones se vendent à 800 000 naira. Donc, quelqu'un te donne ça à ce prix est une raison pour savoir que c'était volé. Comment tu as acheté iPhone à 125 000? Où est-ce que ça se fait? Mon beau, je suis désolé, je sais que ce téléphone est cher. Je suis désolé que je ne te l'ai pas dit. Ça ne va plus se répéter, je suis très désolé. S'il te plaît. Écoute, tu dois essayer d'éviter ces choses, ce n'est pas nécessaire. Si c'est iPhone que tu veux, t'inquiète, je vais t'en acheter un. Ah, vraiment? Ouais, je t'achète un iPhone. Ah, Ogochonye, Nabendogia, tu es un beau de qualité. Merci beaucoup, je l'apprécie vraiment. Ça va. Chai, Ogochonye, mon beau. Tu dois essayer d'éviter ces choses. N'achète plus des choses volées, hein? Je jure Dieu, ça ne va plus jamais se répéter. Ça ne va plus arriver, mes mains sont pures. Ces gens-là sont des criminels. Je ne savais pas que ce téléphone était volé. Ouais, je le sais. Chai, je sais que tes mains sont pures, c'est pourquoi je suis venu te libérer. Je l'apprécie vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Ogo Uchonye, Nabendogia. Hey! Ogo, Ogo. Seigneur, ces garçons essayent de gâcher mes plans. Chérie, comment? Ah, tu l'as déjà fait libérer? Oh, merci bébé. Tu es le meilleur. Oh, vous êtes déjà en route? Ok, d'accord. Merci. Je t'aime aussi. Hé, hey, bébé. Non, arrête. Je ne suis pas d'humeur. Oh, ah, ah. Vraiment? Pourquoi? Mon frère essaie de ruiner tous mes plans. Je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Ma patience a atteint sa limite. C'est très simple. Chasse-le loin de toi. Ce n'est pas facile. Le faire sentira pas sage. Je t'ai fait venir dans cette maison pour faire le boulot des portiers. Tu as accepté parce que nous avons un plan. Mon mari n'était pas du tout d'accord, mais j'ai dû les convaincre. Mon frère est au courant de ça, donc je ne peux pas le mettre à la porte comme ça. Bon, en tout cas, à mon avis, je ne vois pas où se trouve le problème. C'est très simple de le chasser loin de toi, oui. Je ne peux pas le faire partir. Mon frère est au courant de tout et il ira raconter ça. Il est fou. Je ne sais quoi faire, mais je dois l'écarter de mon chemin. J'ai travaillé si dur pour arriver à ce stade. Je ne laisserai personne, même pas mon frère, ruiner mes plans. Ce gars est un idiot. Oh, je suis fatiguée et perdue. Je veux d'abord que tu sois calme. Nous allons bientôt nous en sortir. Allô? Allô, bébé? Tu es où? Non, je pensais que tu m'as promis que tu serais ici à 10 h. Tu ne vois pas l'heure, il est déjà 10 h. Oui, je suis là, je ne suis pas sorti aujourd'hui, je suis à la maison. Tu es où? Ouais. Oh, tu es en cours de route déjà. Chérie, écoute, en venant, tu m'achètes la boisson là que j'aime, Magic Moment. Richard, après ce temps, on part au village maintenant. T'as dit quoi, Adanna? Dis encore ça. Je dis, va t'apprêter, tu pars au village avec moi. Non, Adanna, tu n'es pas sérieuse. Je vois que tu n'es pas sérieuse. Qu'irais-je faire au village? Il n'est pas question de ce que tu veux ou tu ne veux pas. Je pars m'apprêter dans la chambre et s'il te plaît que je ne te trouve pas en train de faire autre chose. Non, Adanna, dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Non, non, jamais. Non, 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 jamais. Jamais. Je ne quitterai cette maison. Je n'irai nulle part. Adanna, je ne vais aller nulle part. Je n'irai pas au village. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-moi Adanna qui a fait éruption dans ma chambre me disant de m'apprêter et qu'on va se rendre au village. Ah, si. Adanna, écoute, je ne vais aller nulle part. Adanna, ah si, jamais, je ne vais pas sortir, je ne sortirai pas de cette maison. Je ne vais pas aller avec toi. Regardez-moi, on me dit cette bêtise. Venir me dire de m'apprêter qu'on va se rendre au village. Ah si, jamais, je ne vais pas aller. Je ne vais nulle part. Alors bébé, dis-moi où est-ce que tu es? Ça fait longtemps que je t'attends et je transpire. Oh, tu es déjà arrivé à la station. Es-tu sérieuse? D'accord, tu vas me voir dans quelques minutes. À tout à l'heure. Papa? 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 Bienvenue, ma fille. Merci, oh. Papa, où sont tes visiteurs? Je ne les ai pas vus jusque là-haut, toujours pas. Mais papa, je t'avais averti. qu'il ne va pas venir ici. Mais tu m'avais dit, non, il va venir, t'inquiète. Tu vois maintenant? Naï, ma chère. Tiens de l'eau. Ce qu'Ekochi est en train de faire est vraiment injuste. J'ai cru qu'il était ton ami. Mais pourquoi il agit comme ça? Il a toujours été mon ami, oh. Une fois, je l'ai d'ailleurs accompagné à une belle famille. Parce qu'il y avait une fille qu'il voulait épouser. Mais... maintenant, il a changé complètement. Je ne comprends rien de tout ça. Papa, pourquoi ne va-t-il pas changer, dis-moi? Parce que celui qui bénéficie de ton fils maintenant, il va toujours changer, c'est normal. Il ne va plus considérer papa d'Nkechi, c'est ça. Bon, j'entre déposer mes affaires. C'est très triste. Qu'est-ce que le monde peut changer, oh? Faille quoi? Ma chérie. Chérie. Chérie, tu as pris de l'argent ici? Non, pas du tout. Où est-ce que tu l'avais gardé? Ici, bien sûr. Chérie, je n'avais rien vu. Je suis à 100% sûr que j'ai gardé l'argent ici. Quelqu'un est entré dans ma chambre et... Chérie, si tu avais gardé ton argent ici et que tu ne l'as pas trouvé, la seule personne capable de faire ça, c'est ton frère. Peut-être que tu dois lui demander, parce que moi, je n'ai rien vu. Ou soit, continue d'abord de chercher. Donc, Obiora est entré dans ma chambre et a emporté mon argent. Sous mon toit? Je n'ai pas pris ton argent. Et je n'avais rien vu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai gardé... Je ne veux rien que la vérité. Je répète, je ne veux rien que la vérité. Car seule la vérité peut vous libérer. Qui a pris l'argent que j'ai gardé dans ma chambre? Non frère, ce n'est pas moi, je ne sais vraiment pas qui a pris cet argent. Qui est ton frère? Qui est ton frère? Combien de fois t'ai-je interdit de m'appeler ton frère? Je suis ton patron, dis-le! Désolé patron. Ethan, lève-toi, lève-toi. Je sais que tu n'as rien à faire dans ça. Ça fait des années maintenant que tu me sers. Tu n'as jamais fait des choses pareilles. Donc je suis convaincu que tu es innocent. Alors tu peux t'en aller. Maintenant, toi, écoute, ferme ta gueule. Criminel, où est mon argent? Où est mon argent, Obiora? Où est mon argent? Ce n'est pas moi. Où est mon argent? Monsieur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je vous dis, s'il vous plaît. Je dis la vérité, ce n'est pas moi. Viens ici. C'est la vérité. Je n'ai pas pour cet argent. Où est mon argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas pour cet argent, monsieur. Quelque chose en moi continue à me dire que tu as volé cet argent. Mon esprit me le dit. Moi-même, je le sens. Et mon esprit ne peut pas me tromper. Mon esprit me dit que c'est toi qui as volé cet argent. Obiora, où est mon argent? Je ne sais même pas en quoi tu m'es utile dans cette maison. Je le savais, rien de bon ne peut sortir d'Israël. Mais tu as 1 heure de temps. Écoute et écoute-moi bien. Obiora, tu as 1 heure de temps pour me produire cet argent. Sinon, Obiora, sinon, à bon entendeur, salut. Obiora, mon ami, je t'en prie, mon gars, sois un homme, ok? Arrête de pleurer, ok? Ça va aller, mon gars. Est-ce que tu sais combien mon cœur est brisé? Oui, je comprends. C'est vraiment mon frère qui me demande d'arrêter de l'appeler mon frère. Est-ce que c'est normal? Mec, mon gars, écoute-moi, écoute-moi. Si ton frère ne veut pas que tu l'appelles son frère, moi je crois que tu devrais arrêter de faire ça. Appelle-le c'est mon patron, ok? Ok, arrête de pleurer maintenant. Qu'est-ce que je fais même ici? Qu'est-ce que je fais même ici? Hein? Qu'est-ce que je fais même ici? Je t'avais dit qu'il ne s'est jamais soucié de nous. Obi, Obi mon ami, mon cher ami, regarde, n'abandonne pas mon ami. N'abandonne pas. Très bientôt, le patron te libérera. Et nous, nous deviendrons nos propres boss. Nous prendrons nous-mêmes nos propres décisions. Ok? Je t'en prie. Allez mec. Tiens bon, tu es un homme, arrête de pleurer comme ça, arrête ça. Essuie tes larmes. Mon propre frère. Essuie tes larmes mec, tu es un garçon, mon arrête de pleurer frère. Comme ça. Tu ressembles à un tout petit garçon, toi tu es un homme mon gars. Frère. Arrête ce que tu fais. Apaise juste ton cœur. Je t'en prie. Oh, allez, essuie-moi tes larmes, essuie-moi ça, essuie-les, allez vas-y. Viens, Chiké. Monsieur? Apporte mon cahier de dépenses. Qui joue cette musique? Arrêtez ça. Chiké. Monsieur? 1250 naira pour les médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Tu étais tombé malade? Non, 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 pas pour moi, monsieur. Je devais lui acheter des médicaments. Parce qu'il avait eu un problème avec l'estomac. Il devait... Attends. C'était pas toi qui achetais les médicaments? Ce n'était pas pour moi. C'est pour lui que je les ai achetés. Il était très malade l'autre jour. Tu as acheté des médicaments de 1250 naira pour cet idiot. Non, 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 je veux bien comprendre. Tu as pris mon argent durement gagné. 1250 naira pour acheter des médicaments pour cet idiot. Monsieur, il était très malade. Mon ami, tais-toi. Est-ce qu'il le mérite? Ne vérifies-tu pas la valeur des gens avant d'investir en eux? Est-ce qu'il le mérite? Pourquoi dépenser 1250 naira pour des choses pareilles? Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné la permission? Quel genre de médicament as-tu acheté jusqu'à 1250? Monsieur, j'avais vraiment la malaria et la typhoïde et c'était vraiment sérieux. Que le paludisme aigu te tue là-bas. Que le paludisme aigu te tue là-bas. Pourquoi tu n'es pas mort? J'aurais préféré qu'on me dise que tu es tombé évanoui et mort que d'utiliser mon argent pour t'acheter des médicaments. Comment est-ce que je serais même sûr que tu les as achetés? Ces tisanes que les femmes la vendent, 100 naira, 50 naira, travaillent même mieux. Tu ne les as pas vues et tu as pris 1250 naira pour acheter les médicaments. Je vais l'enlever de ton argent de consommation. Je l'enlèverai ton argent de consommation et quant à toi, fais beaucoup attention. Dès que les dépenses dépassent 500 naira, appelle-moi d'abord. Plus précisément, quand ça concerne cet idiot. Dès que ça dépasse 500 naira, appelle-moi avant de décider. Je suis vraiment désolé, boss. Ton établissement est proche, donc fais attention. Désolé, boss. À cause d'une petite erreur, je te détruirai. Fais beaucoup attention. Je vous en prie, c'est compris. Désolé, monsieur. Comment peux-tu acheter des médicaments de 1250 naira pour cet animal? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il mérite que je dépense mon argent sur lui? Tu verras ce que je vais te faire, crois-moi. Je l'enlèverai ton argent de consommation. Dépenser 1250 naira. Ah ah. Tu dis quoi, Adanna? Je dis, je n'ai pas d'argent à te donner. Alors regarde-moi dire tout à ton mari lorsqu'il sera rentré. Vraiment? Donc maintenant, tu me fais du chantage dans ma maison. Hein? Adanna, pour la cause de Dieu, ne vois-tu pas que ton frère est fauché? Oh, Richard, donc tu préfères qu'on me jette à la porte juste à cause de tes intérêts égoïstes? Adanna, je m'en fiche. Si tu ne me donnes pas cet argent, je dirai tout à ton mari. Tu es vraiment un fou. Tu me maudis, moi. Tu diras à mon mari. Tu es en train de me défier. Ton argent. Hein? L'argent que tu avais gardé dans mon... Alors, regarde-moi dire tout à ton mari. Je vais te tuer. Avant que tu ne m'humilies, je vais te tuer, Richard. Viens prendre l'argent. Adanna, tu ne vas pas me donner l'argent, n'est-ce pas? Chai. Viens le récupérer. Ah non, pas là. Viens le récupérer. Que je te donne de l'argent. Non, viens la voir. Maintenant, je vois que ton mari doit être au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Je suis maintenant la machine à sous. C'est tout le jour que tu démontes. Viens la voir. Viens prendre. Ça fait très mal, je te dis. Que la personne qui est supposée aider toute ta famille est sous envoûtement. Tu essayes de dire que Kelechi, mon fils, agit sous l'envoûtement? N'est-ce pas que c'est certain? Ne le vois-tu pas très bien? Bah non, laisse-moi te demander. S'il n'est pas du tout ensorcelé, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à aider ta famille? Qu'est-ce qui l'empêche à le faire? Dis-moi. La question que je me pose, c'est qui me fait ça? Qui est cette personne? Tu vois maintenant que tu me rejoins. C'est vraiment la vérité. C'est sûr. Comment est-ce qu'un monsieur de son âge peut faire ce genre de choses? Il est envoûté. Il est envoûté. Je peux t'emmener quelque part. Là où tu peux aller découvrir d'où est-ce que ces problèmes proviennent, ma chère. C'est bien. S'il te plaît. Je ne veux pas. Je ne veux pas me rendre chez les féticheurs. Je te connais bien. Je ne le ferai pas. Mon Seigneur Jésus-Christ. Ma mère Marie. Ils vont me secourir tôt ou tard. Cette personne sera exposée. Oui, ils vont les exposer, j'en suis certaine. Je garde ma foi. Il est vrai que la vie est devenue difficile. La vie est devenue très très dure. C'est comme tu peux voir. Ça c'est la seule provision qui me reste dans cette maison. C'est ces haricots. Après ça, je vais aller demander aux gens de quoi manger. Malgré ça, je refuse de me poser des questions. Je ne me rendrai pas chez un féticheur. Comme je l'ai dit avant, les dieux des cieux, avec Madame Marie, ma mère Marie, combattront pour moi. Oui. Adem. Espérons juste que les choses vont s'améliorer. Tu connais très bien comment est-ce que je vis. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'on peut faire, attendons juste... ta mère Marie pour les arrêter. Comme ça, les choses vont bien marcher. Amen. Amen. Non, papa, je ne pense pas que ce sera une bonne idée. Non, papa. Pourquoi pas? Pourquoi n'est-ce pas une bonne idée? Après tout, c'est ton frère. Hein? C'est ton frère, malgré tout ça. Oui, papa. Grand frère Kenechukwu est mon frère. Mais il a une femme qui les contrôle là-bas en ville. Alors même si je pars là-bas, rien ne va changer. Papa, s'il te plaît, ce n'est pas une bonne idée. Abandonnons ça. Nkirunka, écoute, quand tu iras là-bas, tu verras les choses par toi-même. Et peut-être lui faire changer d'avis. Papa, je suis désolée. Je ne partirai pas. Je refuse. Je ne veux pas aller m'embarrasser là-bas où... Je te dis... Partir là-bas ne va rien changer. Même si je dis quelque chose, rien ne changera. Papa, regardons les choses de loin. Dieu n'abandonne jamais le sien. Il ne va pas nous abandonner. D'après tout, nous nous forçons de vivre depuis tous ces temps. Papa, nous allons réussir. Je m'inquiète juste pour mon frère. Je ne sais pas comment est-ce qu'il vit là-bas. Ton frère Obiora. Oui. Dieu prendra soin de lui. là-bas en ville. Dieu prendra soin de lui. J'en suis très convaincu. Ok? Vas-y, s'il te plaît, masse-moi. Hey. Désolé, papa. D'accord. Ce n'est pas un problème. J'ai accepté de payer 11 millions de naira, donc c'est conclu. Puis-je maintenant me reposer? Envoie-moi ton numéro de compte. Chérie, tu vas bien? Non, chérie, je ne vais pas bien. De quoi s'agit-il? Quelque chose me dérange ces jours-ci. Quelque chose comme quoi? C'est au sujet de mon frère. Il a déjà fini ses études. Et je me disais qu'il ne serait pas mauvais s'il partait en Malaisie. Je veux qu'il parte là-bas et qu'il commence à se déployer comme un homme. Comme s'il va se faire de l'argent. Très bien. Mais je peux facilement lui trouver du travail ici au Nigeria. Un bon travail. Non chérie, tu ne connais pas mon frère. Il est très têtu. Et il bouffe de l'argent, il ne sait pas gérer. Mais s'il part là-bas, il va apprendre à s'organiser. Je veux qu'il parte hors de ses pays, comme s'il va se concentrer dans sa vie. C'est ce que tu veux? Oui. Ça va te rendre heureuse? Oui. Considère que c'est fait. Oh, merci chérie. De rien. Tu sais, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je suis très reconnaissante. Je ferai tout pour ma chérie. De rien. Merci. Alors, Eziju. Ah, Richard. Seigneur, aide-moi. Adanna. Hey, hey! Adanna. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Comment est-ce que tu peux entrer dans ma chambre à l'improviste? Ta chambre. Dans mon toit. Je vais dire dans ma maison. Ok, Adanna, je n'en disconviens pas. C'est ta maison. Mais c'est ma chambre ici, donc c'est mon lieu privé. Donc tu ne dois pas entrer à l'improviste. Richard, ce que tu tiens là, est-ce que tu le connais? C'est mon médicament, Adanna. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, quand je le prends, ça me fait du bien. Richard, c'est ça que tu appelles médicament? Je peux voir que tu en as déjà l'habitude. Tu n'es pas prêt de changer. Peu importe, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Ok. Mon cher mari, dans sa gentillesse et son bon cœur, a décidé de t'envoyer en Malaisie. Frérot, je suis très contente pour toi, tu vas enfin voyager. Ton mari a décidé de m'envoyer en Malaisie. Pour te faire de l'argent. Je veux dire, tu n'auras plus besoin de ça. C'est une bonne chose. Et tu veux que je t'applaudisse? Donc que je commence à sauter parce que c'est une bonne nouvelle. Donc tu penses que c'est une bonne nouvelle que tu viens de m'apporter, donc que je t'applaudisse, que ton mari veut m'envoyer en Malaisie. Richard, qu'est-ce qu'il y a de si mal avec ça? Adanna, Adanna, je pensais que tu étais ma soeur. Adanna. Je sais que c'est toi qui organise ça. Donc tu pousses ton mari à m'envoyer en Malaisie dans ce pays. Donc tu veux que j'aille souffrir en Malaisie. Ah c'est... Adanna c'est du mensonge. Ah c'est... Mais Adanna, il est vrai que Kenechi, ton mari, est un homme très gentil et très généreux. Ouais, ouais, je le sais. Mais Adanna, je ne vais pas aller en Malaisie. Je n'irai ni en Malaisie, ni en Amérique, ni dans d'autres pays. Toi et moi resterons dans cette maison. Ton mari a beaucoup d'argent. Tu ne vois pas, es-tu aveugle, Adanna? Kenechi Mobo n'a pas de problème. Je ne vais pas aller en Malaisie. Je suis ici dans ta maison et on va manger l'argent de ton mari ensemble. Nous resterons ici. Ton mari a beaucoup d'argent et on va en jouir. Tu ne vois pas, ma soeur. Je n'irai pas en Malaisie. Oublie ça. Avec ces genres de frères. Oh Seigneur. Franck. Oui, patron. Bonjour, patron. Un ami à moi va venir de Port-à-Côte. Mets-le à l'aise jusqu'à ce que je revienne. Pas de problème, patron. Un ami à moi va venir de Port-à-Côte. Mets-le à l'aise. J'arrive. Merci, monsieur. Hey! En tout cas, ça, c'est une très jolie chemise. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je ressemble à ton papa? Patron, j'essaie juste de t'admirer. Surtout ta chemise, elle est très jolie. Elle te convient bien. Hey! Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, mon ami va arriver. Prends bien soin de lui. Ouvre le portail. À vos ordres, mon patron. C'est ça. Yeah. Vraiment. Hey! Regarde comment cette maison est construite. Regarde. La marque de garde-fou qu'on a mis. Pendant qu'il est en train de vous causer des troubles à la maison. Hein? Vous savez quel genre de frère, vous? Hey! Hey! Ce n'est pas du tout marrant, oh. C'est très très sérieux. Regarde la climatisation, les conditions dans lesquelles il est. Regarde les deux citernes. Pendant que toi tu transportes les seaux d'eau, tout le jour. Regarde les dispositifs d'eau qu'il a mis. Chez un simple beauf. Non, c'est très méchant. Qu'est-ce que les gens peuvent encore me dire pour que j'accepte que mon frère est très méchant? Dis-le à ton oncle. Mon frère est un homme très méchant. Un monsieur très méchant. Un disciple du diable. C'est vraiment ce qu'il est. Je ne pense pas qu'il est seulement méchant. Allô? Regarde comment tout est bien en place, non? Ne vois-tu pas? Regarde ça bien. Que veux-tu faire? Non, 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 non. Allez, lève-toi. Tu sais qu'à cette heure ici, maman t'attend déjà à la maison. Et papa aussi. Lève-toi, ma chérie. Hey! Lève-toi, on y va. C'est la vie. Courage. Essuie ta robe. T'inquiète, les dieux que nous servons vous fera justice. Ça va aller. Regarde, regarde la toiture. Quelle toiture! Tu peux le voir, mais regarde un peu la nôtre. Le dernier. Je suis venu chercher mon argent. Je t'ai assez respecté. J'ai été assez patient. Et aujourd'hui, tu me donnes mon argent. Tu me donneras cet argent aujourd'hui. Je t'en prie, mon ami. Tu sais que j'ai été malade. J'étais même hospitalisé. Je reviens juste de l'hôpital, moi. Ça, c'est une histoire que tu fabriques pour moi. Je ne suis pas venu ici pour écouter des histoires tristes, oh. Tu me donnes mon argent aujourd'hui. Autrement, je vais te déshonorer. Mon père vous dit la vérité. On n'a même pas déjeuné depuis le matin. Nous n'avons rien. On vous promet qu'on va vous payer votre argent. Juste un peu de la patience, s'il vous plaît. Ne me touche pas. Et Danny, j'ai été assez patient. Et aujourd'hui, ma patience a déjà pris fin. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai vraiment aucune patience. Je ne vais nulle part aujourd'hui jusqu'à ce que tu comptes mon argent et tu me le donnes aujourd'hui. Ne me touche pas. Tout ça à cause de l'argent, c'en est vraiment arrivé jusque-là. Aller jusqu'à me déshonorer, tout ça pourquoi? Pour de l'argent. L'argent. À cause de l'argent. Si j'étais mort là-bas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on aurait fait? Hein? Si Tarzan est tombé du ciel? Et c'est mon problème? Dieu t'a guéri pour que tu me donnes mon argent. Ne t'en fais pas, calme-toi, je trouverai l'argent. Ce n'est qu'une question de temps. La patience. L'argent viendra, je t'en prie. Madame, avec celle-ci, vous ne devez pas vous inquiéter, bien. Ok? Donc, prenez-la, allez directement la brancher à la maison. Et ne vous en faites pas, elle est garantie. Garantie, croyez-moi. Okay. Aucun problème, madame. Noté. Prenez bien soin de vous. D'accord, bye. Bye. Hein, prenez bien soin de vous, hein. Hey! Oh Dieu! Ah, Obi, pourquoi est-ce que tu frottes ton ventre et tu n'arrêtes pas de le faire? Qu'est-ce qu'il y a même, hein? Est-ce que tu vas bien? Mon ventre me dérange vraiment beaucoup, mon cher. Je pensais que ça allait se terminer hier la nuit, mais ça continue toujours. Ton ventre te dérange énormément. C'est vrai, ça? Laisse-moi aller t'acheter un médicament afin que tu puisses essayer un peu de te sentir à l'aise avec, ok? Laisse-moi aller voir ça rapidement. Hein? Hein? Avec l'argent du patron? Mon ami, il est ton frère, il est ton frère, voyons. Nous sommes déjà dans les cahiers de dettes, s'il te plaît. Arrête de faire ça, je vais me débrouiller. Ne t'inquiète pas. Regardez-moi ce négro. C'est ton frère. Hein? Quoi qu'il en soit, ta condition n'est pas du tout bonne. Regarde ta condition, elle n'est pas du tout appréciable. Ne meurs pas ici, oh. Va te trouver un autre endroit si tu veux vraiment faire ce que tu comptes faire là. Pas ici en tout cas. Franck. 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 Je suis là, patron. Ouvre le portail. Intéressant. Oui, monsieur. Franck, c'est comme ça que tu l'as appelé? Hein, mec? Ton portier, mon gars, est vraiment très très attirant. Il est trop beau pour être ton portier, oh. Qu'est-ce que tu dis? Je le dis comme ça. Non, allez, allez, allez. Ma femme n'est pas comme ça. Tu vois, Franck, c'est un diplômé. Jusque c'est malheureux qui n'a pas de travail. Et il vient de la maison maternelle de ma femme. Donc, je suis en train de l'aider. Mmh. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Mmh, non, aucune plainte. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et je prie que Dieu puisse l'aider à trouver un bon boulot un de ces jours. Amen, Inch'Allah. Puisque tu dis qu'il vient du côté de ta femme, voilà pourquoi je ne m'inquiète pas. Si ce n'était pas le cas, j'aurais absolument tout fait pour vérifier par moi-même. Tu as peur que le portier prenne la prudence. Ma femme, non. Mais quoi qu'il en soit, mon cher ami. Non, 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 non. Ah, good, toi aussi. Hein. Ma femme n'est pas comme ça. Et Danny, je ne sais pas pendant combien de temps tu veux que je reste ici pour que tu me donnes mon argent. Je dois rentrer chez moi quand même. Donne-moi mon argent. Mais je te parle, je veux mon argent pour rentrer chez moi. Naï. Biko. Oh. Calmez-vous, pardon. S'il vous plaît. Écoute-moi, j'ai été assez patient. Et aujourd'hui, je n'irai pas s'il ne me donne pas mon argent. Aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Mazi Venatus, ce que vous avez fait est au-delà de ce qu'un ami peut offrir. Et nous l'avons apprécié. Juste comme il vous a dit. Il vient à peine de l'hôpital. Il est encore par terre. Oui. S'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, donnez-nous encore un peu de temps. Nous ne prendrons plus encore beaucoup de temps pour vous rembourser votre... Mais il a un fils, qu'il appelle son fils pour le voler d'argent. Ce ne sont pas que des excuses comme vous pensez. Et Dani, à la fin de cette semaine, si je n'ai pas mon argent, vous saurez de quel bois je me chauffe. N'importe quoi. Sois calme. Dieu ne nous laissera pas. Ça va aller. Et si mon mari te trouve en train de faire ça? Dame. Richard, et si mon mari rentre et te trouve en train de faire ce genre de bêtises dans sa maison? Il ne fera jamais irruption dans ma chambre comme tu viens de le faire. Il ne peut jamais envahir ma vie privée. C'est ma chambre ici à Adanna. Eh oh, ça c'est la maison de mon mari. Et il a le droit d'entrer dans toutes les chambres quand bon lui semble. Et n'oublie pas que j'ai des enfants qui entrent dans la chambre de leur oncle sans pour autant toquer. Adanna, je ne te comprends pas. Ils ne peuvent jamais l'essayer. Écoute, Adanna, si un d'entre eux l'essaie, je lui donnerai un coup dur. Adanna, écoute, je ne suis pas facile. On ne s'amuse pas avec moi. Je suis très dangereux. Ne vous amusez pas avec moi, sinon vous allez tous disparaître. Si tu touches mes enfants, je vais te tuer. Non, je leur en ai déjà parlé. Ils ne peuvent même pas l'essayer. Ils ne vont pas le faire. Tu touches mes... Jamais, ils ne peuvent. Ils ne peuvent pas l'essayer. Ils ne vont pas le faire. Adanna, tu ne me connais pas. Ton mari cherche sa montre. Es-tu au courant? Ton mari fait quoi? Cherche sa montre en or et je suis venue la récupérer. Adanna, tu te trompes. Où est l'argent que je t'ai demandé? Donne-moi l'argent. Tu m'avais donné? Hein? Adanna, quelquefois je ne te comprends pas. Où est l'argent que je t'ai demandé? Je te redemande l'argent que tu m'avais donné. La montre de mon mari. Écoute Adanna, le bracelet de ton mari n'est pas chez moi. Où est l'argent que je t'ai demandé de me donner? Richard, je vais te tuer dans cette maison. Je vais te tuer dans cette maison. Est-ce que tu vas... Avant que tu n'aurais juste de me faire quitter cette maison, je vais te tuer. Tu vas me donner l'argent ou non? Remets cette montre dans la chambre. Adanna, donc tu es en train de m'accuser d'avoir volé le bracelet de ton mari. Honnêtement, si je ne partageais pas le lien de sang avec Richard, je l'aurais déjà tué. Ces garçons m'étapent sur les systèmes, ils m'énervent. Je ne sais plus quoi faire avec lui. Tu dois d'abord te calmer. Comme tu viens de le dire, lui, c'est vraiment ton frère. Et c'est comment concernant le plan de Malaisie? Malaisie? Oh, tu ne veux pas y croire. Richard a refusé de me laisser. C'est comme si... on était collés, on était si à moins. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Il n'ira nulle part, que ce soit Malaisie, France, États-Unis ou peu importe. Il va rester ici en vie pour se régaler avec l'argent de mon mari. Donc je vais l'envoyer en Malaisie pour rester seule ici et bouffer l'argent de mon mari. Peux-tu imaginer? Je veux dire, quel est cet homme qui pense de la sorte? Tu refuses d'aller faire ta vie ailleurs, tu veux rester collé à ta soeur dans son foyer? Non mais, C'est fou parce que je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire et je suis arrivée au bout. Je risque de commettre un meurtre. Je risque de tuer ces garçons et en finir avec lui. Non mais, Malaisie c'est le pays où tous les jeunes veulent partir maintenant. C'est lui était non? Est-ce que la cerveau? Hein? Est-ce que Richard a l'air normal pour toi? Écoute, je pense qu'on doit changer de plan maintenant. Et alors, si tu essayais de parler de ça à ton père, peut-être qu'il sera capable de le convaincre. Mon père? Vraiment? Crois-tu que j'ai jamais pensé à cette option? Dieu sait pourquoi mon père soutient Richard. Je t'ai dit la vérité. Je ne sais pas ce que j'avais fait pour me retrouver dans une famille si pathétique. Je ne sais plus quoi faire. Mais si les choses ne changent pas, je vais tuer Richard. Je vais tuer Richard. Je n'ose même pas dire ça. Parce que je ne laisserai personne en voyant mes efforts et ruiner mes plans que je conçus et élaborés depuis très longtemps jusqu'à ce stade. À ça, je ne parlerai personne. Nous l'avons planifié. Mais c'est bon. Nous allons nous en sortir. Nous allons nous en sortir de toute cette histoire. Ok? Oublie un peu cette histoire. Mais c'est... Hey, chut. Arrête un peu. Oublie un peu cette histoire. Relaxe-toi, ok? Calme-toi, ça va aller. Ok, essaie un peu de te relaxer. Sois calme, ok? Ça va. Sois calme, ne te dérange plus. Mon ami Richard, il va mourir. Richard va mourir. Je te dis de te calmer, non? Je le jure, il va mourir. C'est moi qui vais l'utiliser comme distributeur de billets. Il veut m'utiliser comme la machine à sous. Tu as raison, bébé, ok. Calme-toi. C'est ce qu'on va voir. Il ne me connaît pas. Regarde un peu comment tu transpires. Nous sommes ici ensemble. Ok. Nous allons bientôt gagner à ces jeux et tu le sais très bien. Je calme. Alors ne pense plus à ça. Oui. Ok. Ok. Ça c'est très bien. Je t'ai eu. Je sais. Fais-moi un câlin. Entrée de la parcelle. Mais je croyais t'avoir entendu dire que tu allais fermer la porte. Je crois l'avoir fermée de l'intérieur. S'il te plaît, va voir. Je suis dans le pétrin. Oh Seigneur, que dois-je faire? Allez, vite, lève-toi. Oh. Seigneur, je suis morte. Que dois-je faire? Oh Seigneur, mais qui ça pourrait être? Mon mari? Non, il était allé au shop. Frère, mais qui? Seigneur, qui? Ah, c'est fini. Tu ne croiras pas ce que je viens de voir, mon cher. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Moi, c'est maintenant que je viens de la maison. J'ai vu la femme de notre patron avec ce monsieur Franck dans le lit. Tu sais, il faisait même l'amour. Es-tu sûr? Tu as vu la femme de notre patron? Oui. Avec Franck? Oui. En dessous du drap, en train de faire l'amour. Hey! Mais reste calme, reste calme. Tu veux crier? Hey! Non, n'écris pas comme ça, s'il te plaît. Hey! J'espère que tu ne l'as dit à personne et j'espère qu'ils ne t'ont pas vu. Non, j'ai quitté la maison directement. Et pourquoi j'irais dire à une autre personne? Hein? Hey! 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 Ouah! Oh mon Dieu! Oh. Notre madame. Avec Franck, sous un même drap. Mais comment on fait une telle chose à mon frère comme ça? Hein? Non, 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 n'essaie même pas de penser à ça. De le dire au patron. Le patron ne te croira même pas. N'ose même pas aller là. Oui, je sais. Celle-là, c'est sa femme. Si tu oses lui raconter de tels trucs, mon cher, ne va même pas jusque-là. Regarde. Réfléchis bien sur ce que tu vas faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pour le moment, garde ça en sourdine. Comme dans l'eau. Ça reste entre nous, ok? Toi et moi. Viens, allons à l'intérieur. Je vais essayer de t'aider pour que tu oublies ça un peu. Hein? Hey! Le monde est méchant. Hey! Es-tu sûr que c'est lui qui nous a vus? Ah! Très sûr. C'est fini. Je suis dans le pétrin. Oh, je suis foutue. Je suis foutue. Oh mon Dieu. Franck, je suis dans un sérieux problème. Obiora est le frère de mon mari. Il va les lui dire. Il les lui dira sûrement. Je doute. Et... rappelle-toi qu'ils n'ont jamais été un bon terme. Peu importe, je n'ai jamais été gentil avec ces garçons. Il fera tout son possible pour me ruiner. Ça sera sa manière de se venger. Ceci est vraiment un sérieux problème. Que devons-nous faire? Réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sérieusement, Ethan, Donatus a vraiment été très patient avec toi. Et c'est même plus que la patience qu'il a toujours eue avec ses amis. Bien sûr que tu le connais, aussi bien que je le connais, lui aussi. Et surtout, il est très sérieux quand il s'agit de parler de l'argent. Il a été très patient avec toi, ça je suis sincère. Honnêtement, il a été très patient. Et j'avais énormément apprécié cela. Ça me fait de la peine que je n'ai pas été capable de tenir ma promesse et lui payer son argent à temps. Oui, et tu ne peux pas te tuer aussi, hein. Et voilà, tu ne peux pas te tuer toi-même parce que j'ai toujours compris ta situation difficile quand il s'agit de me retourner mon argent. Mais peut-être que lui, il n'a pas été trop patient comme moi je l'ai toujours été avec toi. Hein? Les temps sont vraiment difficiles comme nous le savons tous. Et surtout que lui ne peut pas réagir comme moi j'ai toujours réagi. Tu vois, et je crois que tu m'as compris. Oui, tu as raison. Si seulement mon fils, Kelechi, pouvait réaliser sa soi-disant promesse, celle de m'aider. Mais ce garçon est une vraie déception. Une très grande déception. Ethan, s'il te plaît, ne l'abandonne pas encore. Continue de trouver le moyen pour le joindre. Et quand tu vas le joindre, tu devras lui dire tout que tu es dans des situations difficiles. Ta femme m'a vraiment dit que Floyd a vraiment saboté ta maison hier la nuit. C'est vraiment pitié ça. Et je voulais juste te conseiller que tu arranges cette toiture. Ok. Ça va aller. Tu as raison. Et où? Tout va s'arranger, d'accord? D'accord, tu as raison. Papa, tu parles toujours du toit? Papa, ton toit-ci, chaque fois ça coule, Ah, je pense t'avoir donné l'argent la fois dernière pour ça, non? Papa, écoute, papa, nous sommes tous dans ce pays. Je ne suis pas à l'étranger. Je ne cueille pas l'argent des arbres. Il n'y a pas d'argent pour le moment, papa. Gère la situation. Papa, je comprends le fait que ton toit Papa, puis-je parler? Puis-je parler? Ton toit cool, c'est vrai, mais je n'ai pas d'argent pour le moment à donner. Je n'ai pas d'argent. Je te verrai quand je serai là. Il n'y a pas d'argent, s'il te plaît. Ah ah. Papa, gère la situation, s'il te plaît. Ah. J'arrangerai ma maison par moi-même. Je ne peux pas continuer d'attendre de l'aide que je connais évidemment qu'elle ne viendra pas. Oh, j'ai déjà mon estomac qui me fait très mal, mais quoi qu'il en soit, je ferai quand même. Nkirunka. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh. Hey, 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 mon Dieu, hey. Adanna, pourquoi ton visage est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais l'air si pressé au téléphone, c'est pourquoi j'ai dû me précipiter à la maison. Y a-t-il une bonne nouvelle? Est-ce que tu as maintenant l'argent? Quel argent? L'argent que je t'ai demandé, non? S'il te plaît, Richard, je t'en prie, épargne-moi ça. Je vais te parler quelque chose de très sérieux. J'ai un sérieux problème. Adanna, épargne-moi tout ça. Hein? Peu importe le problème que tu as, si tu ne me donnes pas l'argent, c'est inutile devant moi. Vas-tu me donner l'argent ou non, Adanna? Obiora nous a vus. Adanna? Qu'est-ce que tu viens de dire? Richard, je te dis la vérité. Obiora nous a vus. Obiora vous a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions au lit. Mon Dieu. Avec Franck. Et il nous a vus. Il nous a vus. Adanna, pourquoi tu t'es laissé jusqu'à ce point? Adanna, tu es dans un grand pétrin. Hein? Qu'est-ce qu'Obiora faisait à la maison à cette heure de la journée? Je ne sais pas, c'est pour ça que je t'ai appelé. Adanna, pourquoi tu t'es laissé te vautrer dans ce pétrin? Obiora vous a vu, toi et Franck, dans le lit? Chai! Adanna, ça fait honte. Adanna, comment est-ce que tu as laissé ce garçon te mettre dans ce pétrin, Adanna? En fait, tu es dans une sauce très chaude. Mais c'est pour ça que je t'ai appelé. Tu m'as appelé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais même pas ce que je peux faire. Comment est-ce que tu t'es laissé? Tu t'es laissé aller dans ce pétrin. Chai, Adanna. Donc tu n'as trouvé personne à te gnapper et c'est le portier? Allez. Aïe, Adanna. Chai. Oh mon Dieu! Bon retour, messieurs. Merci. Junior, t'as dit que tu voulais me dire quelque chose. Papa. Ouais? J'avais vu la sentinelle sur notre salle à manger, en train de manger avec tes assiettes. Junior, cette blague est chère, sois sérieux. Non, je suis sérieux. Papa, Junior te dit la vérité. Écoutez, ne plaisantez pas avec les questions pertinentes, ok? Allons à l'intérieur. Papa, on ne blague pas. Hein? Oui, on ne blague pas. On est sûr. D'accord, allons à l'intérieur. Il fait tellement froid. Il fait très froid. Papa me demandait d'aller en ville pour aller chez les grands frères, mais j'ai refusé catégoriquement. Ah bon? Il me l'a dit. Je ne te blâme pas non plus. Je ne te blâme pas parce que la façon dont Nkelechi, comment ça s'est comporté? C'est très bizarre. Tu n'as pas tort de refuser. Maman, j'ai changé mon idée maintenant. Je dois voyager pour la ville, pour confronter cette femme sorcière. Oui. Non, s'il te plaît. Si c'est ça la raison qui va t'amener là-bas, arrête. N'y va pas. Reste ici, sinon ton frère te tournera le dos. S'il te plaît. Biko. Maman, quelqu'un doit aller dire à cette femme que nous sommes au courant de tout ce qu'elle fait. Oui, je n'irai pas là-bas pour le trouble, juste pour lui dire que nous sommes au courant de tout. Écoute, si tu dois y aller, une fois que tu arrives là, je te demanderai de faire la paix. Est-ce que tu m'entends? Fais la paix. Pose-lui les questions. Qui t'a dit pourquoi il nous a tourné le dos. N'y va pas pour causer des troubles. Sinon, ton frère s'élèvera contre toi. Et ça, je ne veux pas. Pose-lui la question de savoir pourquoi il ne veut pas prendre soin de nous. Pourquoi il ne veut pas nous prendre en charge. Et c'est tout. Maman, cette femme est vraiment une sorcière. Hé, je ne pouvais pas y croire un jour. C'est pas normal. Tu ne dois pas commencer à haïr les gens. Ce n'est pas bien. La haine n'est pas divine. Faut pas haïr les gens, d'accord? Ce n'est pas du tout bien. Merci beaucoup pour avoir récupéré les enfants de l'école. Merci beaucoup. Comment était ta journée? Je veux te poser une question concernant notre partie. A-t-il une fois utilisé mes assiettes pour manger à la table? Utilise-t-il mes assiettes pour manger sur notre table à manger? Non. Pourquoi tu me les démontes? Junior et Mirabelle m'ont dit qu'il l'a fait. C'est vrai, je me rappelle. Cela s'est produit la fois passée quand tu avais mangé, que tu avais laissé de la nourriture. Alors, je lui avais dit de venir prendre ce qui était resté. Et par erreur, il avait mangé dans tes assiettes. Et j'étais très dure avec lui, je lui ai dit de ne plus le faire. Désolée, chérie. C'était une erreur. Je suis désolée. Ne te fâche pas. Chérie, je t'ai dit que je suis désolée, c'était une erreur. Nkirunka, apporte-moi de l'eau à boire, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, maman! Maman, viens! C'est quoi le problème? Maman, viens vite, maman, viens voir! C'est quoi le problème? Maman, maman! Jimon! C'est stupide, Obiora. Peux-tu imaginer qu'il m'a confirmé que c'était lui qui était venu à la maison? Bien sûr, je l'ai forcé à parler et il a tout dit. Est-ce qu'il nous avait vus? Oui, il nous a vus. Il n'est pas un aveugle. Il était à la fenêtre, as-tu oublié? Mais je lui ai averti. Je lui ai dit clairement de ne pas le dire à son frère. Si jamais il le fait, je vais le tuer. Et je ne plaisante pas quand je le dis. Je vais le tuer et tout le monde dans sa famille. Personne ne blague avec moi. Bien fait. Bien fait. Vraiment, tu as bien fait. J'ai travaillé si dur pour arriver à ce niveau. Personne ne peut me ruiner. Personne. Personne ne va ruiner mes plans. Si quelqu'un ose, je vais les tuer. Oui. Qu'importe la personne, même mon frère. S'il ose me ruiner, il va mourir. Alors, donc tout ceci voudra dire que nous sommes toujours dans le jeu. Kiro, qu'y a-t-il? Quel est encore le problème? Tu as appelé mon téléphone plus de 45 fois, qu'y a-t-il? Est-ce que c'est une journée internationale d'appel? Qu'est-ce qui ne va pas, fille? Tu déranges mon téléphone. Hein? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Papa est mort. Ouais, j'ai convoqué cette réunion en tant que le fils aîné de cette famille. Je veux vous remercier tous pour vos contributions pendant l'enterrement du papa. Ouais, bien que c'est moi seul qui avait tout fait pour le succès de l'enterrement. Mais ça ne m'empêche pas de vous remercier pour votre soutien. Nous allons tous continuer avec nos vies. Mais comme je l'ai dit avant, pas de vêtements de funérailles. Je ne crois même pas à cette question de vêtements de funérailles. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont toujours en colère parce que j'ai refusé les vêtements de funérailles. Ouais, pas de vêtements de funérailles parce que ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que nous allons célébrer? Est-ce que c'est après sa mort que nous allons célébrer? Lorsque papa était en vie, on ne s'est pas fait coudre d'uniforme pour son anniversaire. Alors je ne sais pas pourquoi c'est après sa mort qu'on va le faire. Ça n'a pas de sens pour moi. Pas d'uniforme de funérailles. Son héritage continuera. Je vous promets ça. Je continuerai de là où il s'est arrêté. Donc j'ai besoin de votre soutien. J'espère que nous sommes sur la même fréquence. Dieu merci. J'attendais que tu le dises. Comme tu l'as fait, je veux te conseiller de prendre cette sorcière et la mettre hors de notre famille. Oui, parce que c'est elle la sorcière dans cette maison. Kiro, tu vas bien? Es-tu normale? Quelque chose ne va pas avec toi? C'est avec toi que ça ne va pas bien, ma chère. Tu es une folle. Tu es la folle ici. Oui. Je ne vais pas accepter des insultes venant de toi. Angela, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vais pas que tu vas faire? Vas-y alors. Madame, comment oses-tu parler à ma femme comme ça? As-tu perdu ton sens de respect? Grand frère, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu ne crois pas? C'est une sorcière ta femme, oui. Pourquoi est-ce que tu me frappes? C'est à cause de ta femme sorcière. Calme-toi toi aussi. Je refuse. Arrêtez ça, oh. Oh, pas comme ça. Tu te bats avec ma femme. Kiro, sorcière. Madame, arrêtez ça. Arrêtez ça, madame. Madame, non, arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, pas comme ça. Arrêtez. Envoyez-moi quelques éléments. Arrachez-la. Malade. Chérie, laisse-la. Ne lui dis plus rien. Sorcière. Sorcière, méchante femme. C'est ce que tu es, je te dis. Calme-toi, je te respecte, je vais te gifler, arrête ça. Espèce de folle, arrête ça, j'ai dit. Imbécile. Je te respecte, mais arrête ça. S'il te plaît, arrête ça, respecte-toi. Calme-toi, calme-toi. Arrête ça, calme-toi. Sorcière, arrête ça. Calme-toi, le position là. Arrête ça. Tu n'es pas ça, toi. Jeune fille, tais-toi maintenant. J'ai dit, taisez-vous maintenant. Officier, emmenez-la tout de suite. Qui êtes-vous? Tout de suite, monsieur. Partez avec elle. Laisse-moi, qu'elle parte. Tu es une sorcière. C'est ce que tu es. Ne la suivez pas. Sorcière. Arrête ça. Imbécile. Bouge maintenant. Très loin d'ici. Avance maintenant. Avance tout de suite. Laissez ma soeur. Laissez ma soeur. Non, officier. Laissez ma soeur. Laissez ma soeur. Non. Laissez ma soeur, officier. Non. Laissez-la. Laissez-la tout de suite. Elle n'a rien fait. Laissez ma soeur. Laissez-la. Laissez ma soeur. Laissez-la. Non, laissez-la. Laissez-la, elle n'a rien fait. Laissez-la. On va leur parler. Laissez ma soeur. Non. Laissez-la. Maman. Maman, tu vois ça? Tu vois? Laissez-la. Maman. Laissez-la. Laissez-la. Laissez ma soeur. Reviens ici. Je suis revenu pour toi. Non, mais toi aussi, calme-toi, arrête ça. Calme-toi, arrête ça. Enfin, tu laisses ça. Tu vois ça? Tout de suite. Emmenez-la. Elle n'a même pas honte. Arrêtez. Attendez. Emmenez-la, emmenez-la. Vous allez où avec elle? Tu vas mourir en prison. Emmenez-la. Enfin, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. S'il vous plaît. Je ne suis pas ton... S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Je déteste quand tu m'appelles ton frère. Le petit lien que nous avions est rompu. On n'a plus rien. On n'a plus rien de commun. Je ne suis pas ton frère. Hey. Mon frère, s'il te plaît, mon frère. On ne peut pas la laisser là-bas. Passez la nuit de la station de police. Elle pourrira en prison. En fait, pour le moment, elle est en cellule et tu pleures. Bientôt, on va la déplacer vers la prison. Ah! Personne n'insulte ma femme et reste impuni. S'il te plaît, mon frère. Je le déteste quand tu m'appelles frère. Je ne suis pas ton frère. Le seul être qui nous unit, c'est Dieu qui est notre Père. Arrête de m'appeler ton frère. Je ne le suis pas. Patron, s'il vous plaît. Où est ce fils inutile qui parle là? Oh, tu es là. Kené, tu es vraiment un fou. Laisse-moi te dire, tu es vraiment un idiot. C'est quoi ça? Tu es stupide? Hein? Pourquoi tu hurles ici? Est-ce que je te connais? Oh, baisse ta voix, passe ton message, c'est quoi ça? Tu veux donc me connaître? Oui, qui es-tu? Merci beaucoup. Tu sais combien de fois je suis venu ici et j'ai vu ton père prêt à mourir, je l'ai amené à l'hôpital, tu le sais? Tu sais combien de fois moi, j'ai ramené dans cette maison de la nourriture, tu le sais? Le riz et les haricots. Tout ça, c'est parce que toi, tu n'as jamais été capable de faire ce qu'un vrai fils devrait faire dans cette famille. Homme samaritain, c'est pourquoi tu vibres. Non, réponds-moi, c'est pour ça que tu vibres comme ça. Qu'est-ce que tu as fait et que personne n'a jamais fait? Tu as fait ça parce que mon père était ton ami. Est-ce que tu me comprends? Donc tu as fait à ton ami une faveur. Donc en quoi ça me concerne? Est-ce que je te connais? Tu es mon ami? Hey. Respecte ton âge, quitte ici avant que je ne descende sur toi. Mon frère, hey, s'il te plaît. Viens, je ne suis pas ton frère. Patron, je ne suis pas ton frère. Hey. Patron, s'il vous plaît. On ne peut pas la laisser dormir dans les cachots de police. Elle sera envoyée en prison. S'il vous plaît, patron, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Patron. Hey! Patron, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne la laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Patron, s'il vous plaît. Elle va passer à l'une de la station de police. S'il vous plaît, patron, entendez. Hein? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Patron, patron, s'il te plaît. S'il te plaît, patron. Patron, non, ne partez pas, patron. Patron! Hey. Oh, Kenechukwu m'a vraiment touché dans les yeux. Pour tout ce que j'ai vraiment fait pour toi dans cette famille, je regrette. Pourquoi je t'ai rencontré? Même ton père, de là où il est, je crois qu'il est en train de regretter pourquoi il t'a mené dans ce monde. Je crois que tu vas rencontrer le malheur sur ton chemin partout où tu iras. Retiens ma parole. Toi, tu ne seras jamais heureux. Chérie. Je suis vraiment très en colère. Ça bouillonne vraiment en moi. Peux-tu imaginer Kiro? Cette petite fille a eu le culot d'élever sa main sur ma fille et moi. Écoute. Kiro? Oui, Kiro. Qu'est-ce que tu as alors fait? Qu'est-ce que je ferai à cette villageoise? Qu'est-ce que je ferai à celle-là? Kiro a levé sa main sur moi et ma fille. Alors, qu'est-ce que Kenechi a fait? Je suis très fière de mon mari. Il ne l'a pas épargnée. Au moment où je te parle, elle est en garde à vue. Kiro se trouve à la station de police. Je suis sûre qu'elle va passer nuit là-bas. Là, c'est vraiment une bonne place pour elle. Mais comment ça? Mais d'où lui vient ce courage? Ok. Oublie-le, ok? Je pense qu'elle ne t'a pas blessé. Tel que tu me vois, je suis très énervée, je brûle de colère. Ce n'est pas grave, bébé, ne te dérange pas, c'est bon. Relaxe-toi. Cela n'aurait pas dû arriver si seulement j'étais avec toi. Je sais. Voilà pourquoi je suis là pour toi. À tout moment, à toute heure et tous les jours, on pourra se voir. Je vais tuer cette fille. Calme-toi, elle est entre les bonnes mains. Ne te dérange pas, ok? Elle verra. Je t'ai manqué. Je suis là maintenant avec toi. Arrête. C'est plus important. Je suis là. C'est ça l'essentiel. T'es sûr de ce que tu dis? Leur papa vient de mourir. Mais non, je sais pas si elle voulait que tout le monde puisse mourir au même moment que leur papa. Oh mon Dieu. Dans toute ma vie, si quelqu'un me dit qu'il a un dossier à la police, je ne pouvais pas y croire. C'est que je n'arrive pas à comprendre. C'est mon frère aîné qui m'a envoyé là-bas. Maman, pourquoi? Pourquoi? Ça suffit, Nkirou. Maman, ça ne suffit pas, oh. Ça ne suffit pas. Je savais que mon frère a totalement changé à cause de cette sorcière. Je l'avais dit. Nkire, nous savons tous qu'il a fait une grosse erreur d'épouser cette femme, aussi méchante. Mais je suis toujours du côté de la paix. Tu n'aurais pas dû attaquer cette femme. Hein? Tu en as vraiment fait trop. Comment? Je ne vais pas réagir comment? Oh, laisse-moi te dire, je ne peux pas être du même côté que cette sorcière. Je peux pas m'asseoir et la regarder en train de détruire mon frère. Mais comment est-ce que j'allais savoir, non? Et que la personne pour laquelle je me battre n'est pas du tout d'accord. Hein? Nkiruka, je veux que tu te calmes. Calme-toi. Son père est mort. Je ne suis que sa marâtre. Il est votre demi-frère. Vous le savez tous. Les miens, c'est de te calmer. Ne t'attends pas à voir plus de lui. Est-ce que tu m'entends? Non, maman. Tu vas où? Dieu est vivant. Maman. Maman. Je m'en vais, mais je ne perdrai pas mon temps en essayant de le sauver, maman. C'est ce que moi, j'ai résolu, maman. C'est ça que moi, j'ai résolu, maman. C'est comme ça. Mon fils, tout ce que je te demande, c'est de lui obéir. Obéis-lui. Dieu te justifiera. Tu entends ce que je dis? Tout ce que tu as à faire, c'est de l'obéir et Dieu te justifiera. Et c'est tout. Bonjour, monsieur. Chiké, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Chiké, tu es un garçon fidèle et tu m'as servi diligemment toutes ces années. Merci, monsieur. Merci. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps pour moi de t'établir afin que tu sois indépendant toi-même. Merci, monsieur. Patron. Oh, patron. Franchement, merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne tout ce que vous avez toujours voulu, monsieur. Que Dieu vous donne tout, absolument. Appelle tes parents. Oui, monsieur. Dis-leur de venir ce week-end. Je vais t'établir ce week-end. Ce week-end? Hey, patron. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ça va. Hey, retourne dans ta chambre. Merci, monsieur. On va me libérer aujourd'hui, oh, on va me libérer. Hey, on va me libérer aujourd'hui, oh, on va me libérer. Hey, hey, on va me libérer aujourd'hui. Alors, on dit quoi? Ça va aller, mon gars, ok? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ok? Arrête de pleurer. Sois fort, mec. T'en fais pas, tout ira très bien. Je t'en prie, arrête de pleurer. Toi, tu es mon ami, non? Hein, je ne parle pas pour toujours, non? Hein? Tu vas beaucoup me manquer, mon cher ami. Mon frère, toi aussi, je suis sérieux. Tu vas me manquer aussi. Mais je ne pars pas pour toujours, non. Je serai toujours dans les alentours, ok? Hein? Je serai toujours là. Je ne pars pas loin de ce marché. Ok? Reste, s'il te plaît. J'aurais vraiment aimé être à ta place. J'aurais aimé que ce soit moi qui partais. T'en fais pas. Très bientôt. Très très bientôt. Ça sera ton tour de partir. Ok? Ne t'en fais pas, le monde c'est toujours comme ça. À chacun son tour. Ok? Je t'en prie mon frère. Arrête de pleurer, tu vas me faire pleurer aussi, non? Je t'en prie, pourquoi tu fais ça? Quel que soit ce que tu fais, n'oublie pas de m'appeler. Je vais toujours te mentionner dans mes prières. Dieu va te diriger. Dieu va toujours te soutenir. Dieu va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Amen. 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 Non, il ne faut pas pleurer. Ce sera bien pour toi, je te promets. C'est le monsieur qui avait acheté la télé, mais lui aussi, il a encore acheté un grand congélateur comme ça. Il a encore acheté, deux grands groupes électrogènes. Encore un stand de télévision. Et je vais maintenant aller appeler cette femme-là qui devait... Recule un peu, recule un peu. Et maintenant, moi, je m'en vais. Tu craches sur moi. Désolé, monsieur. Je vais maintenant appeler cette personne qui transporte pour amener sa moto pour transporter cela. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est leur permettre de prendre cela. Alors, il m'a donné un chèque. Oui, le chèque est là, je ne savais pas comment faire. Tais-toi et arrête de tromper mon mari. Hein? Es-tu stupide? Non, chérie, ne l'écoute pas, c'est un menteur. J'ai pas compris. Il y a des assiettes sales, il devait faire la vaisselle, mais il ne l'a pas fait. Avais-tu la fermer et aller vite faire la vaisselle dans la cuisine avant que je ne te gifle? Qu'est-ce que tu racontais à Désolé, madame. Allez, dégage. Désolé, patron. Idiot. Tu vas bien? Je vais bien. C'est plutôt à moi de te poser cette question. À propos, de quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Parce que je ne savais pas que tu étais là. Il me donnait le compte rendu par rapport aux activités dans la boutique et aussi me suppliait de le laisser aller au village. Aller au village? Mais pour faire croire, n'est-ce pas qu'il était au village il n'y a pas longtemps? Sa mère est malade selon ce qu'il a dit. Mais je m'en fiche. Elle n'ira nulle part. Ça m'est égal moi aussi. Oh, bébé. Un bisou. Pourquoi on ne part pas dans la chambre? Tu n'as pas besoin de massage. Quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pour voler mon mari à nouveau, n'est-ce pas? Adanna, calme-toi. Ma sœur, détends-toi. Je vais changer la serrure de cette porte. Je ne suis pas venu ici pour me quereller avec toi. Alors qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu pour te proposer une solution, ma sœur. Ne me dis pas que tu n'es pas dérangée par ce que Obior a vu. Et par le fait que tu vas te mettre dans des problèmes quand ton mari finalement le découvre. N'est-ce pas que tu es content? Hein? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Me voir hors de cette maison? Non, Adanna, ce n'est pas ce que je voulais dire. On ne s'amuse pas avec toi. Comment est-ce que je peux faire ça à ma soeur, à ma propre soeur? Non, Adanna, je ne peux pas te faire ça. Mais la seule chose qui m'énerve est que tu me dis de voyager en Malaisie, de quitter ce pays. Donc, Adanna, tu veux que je quitte le Nigeria? N'est-ce pas que c'est pour ton bien? Adanna, je ne vais voyager nulle part. Je vais rester dans ce pays avec toi. Et ensemble, on profite de l'argent de ton mari. Hein? Ton mari, mon beau, est riche. Il a de l'argent. Et tu veux que moi, je quitte le Nigeria? Non, Adanna, je ne vais aller nulle part. Je resterai ici avec toi. Ok. Alors, quelle solution as-tu pour ces problèmes? Adanna, c'est maintenant que tu parles. C'est de ça que nous devrions normalement parler et ne pas me demander de voyager en Malaisie. J'ai une solution. Patron, on m'a dit que vous me cherchez. Obiora. Patron. Obiora. Monsieur. Obiora. Monsieur. Où est mon bracelet d'or? Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur va te tuer. Monsieur va te tuer. Tu sais que je n'aime pas me répéter. Où est mon bracelet d'or, Obiora? Ah, Monsieur... Obiora, arrête de faire semblant, je te connais très bien. Ton mélodrame si ne marche pas avec moi. Que veut dire, à qui tu fais ça? Mon ami, où est mon bracelet d'or avant que je ne descende sur toi? Mon frère, oh, honnêtement, je n'ai pas ta montre. Tu n'as pas mon bracelet. Donc mon bracelet d'or a poussé des ailes et a volé. Non, c'est ce que tu es en train d'insinuer? Que mon bracelet d'or, soudainement, a poussé des ailes, puis s'est envolé. C'est ce que tu me dis? Monsieur, c'est la vérité. Je n'ai pas... Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Combien de fois dois-je te dire ça? Je suis ton patron. Je ne suis pas ton frère. Nous sommes en affaire ici. Pourquoi tu veux mélanger les choses? Chaque fois, frère. Désolé, patron. Frère, et tu chasses mes clients. Avec frère, tu sabotes mon business. Avec frère, tu veux me ramener à zéro. Je ne suis pas ton frère, je suis ton boss. Tu as compris? Oui, patron. Maintenant, je te donne 30 minutes pour produire ce bracelet. Sinon, je te tuerai ici. Disparais d'ici. Animal. 30 minutes. Waouh, c'est intéressant. Et c'est à combien vous vendez ça? C'est vraiment du Vous fou. Voulez ça aussi? Dernièrement, vous avez acheté ça. Mais si vous achetez encore ça aujourd'hui, vous aurez une petite réduction. Bon, tout ça, ça fait combien au juste? C'est ça, 95 000 francs, monsieur. 495. Ok, je vais donner 490. Ha! Non, monsieur. Mon patron va beaucoup parler au... Bon, ce n'est pas un problème, vous êtes déjà notre client. Alors, je vais juste vous réduire ces 5000 francs. D'accord, okay. Merci oui. Bien. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais appeler quelqu'un qui viendra faire l'emballage. Ah, aucun problème alors. Bien, il est où le POS? Ha! Ah, mon patron n'aime pas qu'on utilise ce genre d'histoire. Les cash. C'est pas vrai. Franchement, vous vous moquez de moi. Que voulez-vous dire par vous n'avez pas de POS ici? Dans un shop comme celui-ci? Ah, mon patron ne demande que le cash ici, oh. Du cash ou du liquide? Non mais qu'est-ce que vous me racontez là à la fin? Vous vous attendez à ce que je me promène avec un demi-million? Jusqu'ici, pour qu'on me vende mon argent? Mais non. Ok, pourquoi n'appelles-tu pas ton patron afin qu'il envoie son numéro de compte pour que je fasse juste un transfert? Ok monsieur, laissez-moi... Mon patron ne répond pas malheureusement. Essaye. Essaye encore. Il ne veut pas prendre l'appel. Il ne prend pas? Ok. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on peut appeler pour obtenir son numéro de compte. Monsieur, vous êtes vraiment intelligent. Alors, laissez-moi, je vais appeler la femme de mon patron. Sûrement, elle va répondre. Très bien. Oui, ça sonne déjà. Ok. Allô, madame. Oui, madame, il y a quelqu'un qui est venu dans la boutique pour acheter quelque chose, mais il veut faire le transfert en ligne. Mais je n'ai pas le numéro du compte de mon patron, madame. Donnez-moi le numéro du compte de patron, alors... oui, je vais lui faire ce transfert-là. Ok. Ok, monsieur. Ok, madame, désolé. Ok, madame. Ok, au revoir. Bon, déjà, elle est en train d'envoyer, puis nous aurons les comptes pour envoyer l'argent. C'est parfait. Monsieur, s'il vous plaît, je vais aller appeler ces gens-là pour venir transporter pas de problème. Ça. Va les appeler. Copain, c'est comment? Oh, salut mon gars. Je te crois. Aïe, c'est comment? J'espère que tout a bien marché. T'en fais pas, tout s'est bien passé. Mon ami, tout était parfaitement parfait. Copain, je te crois. Je te connais, non? Tu me connais. Où est-ce que tu as gardé ces articles? Ils sont déjà à la maison, puis aller les voir. Es-tu sérieux? Je fais toujours tout parfaitement. Tout est à la maison? Comment puis-je te mentir? Mais toi, tu es mon gars, non? Donc, tout est intact. Tout est sous contrôle. Mala, je te crois. Maintenant, allons-y, non? Sans problème. Mala. Je sais maintenant que tu as bien compris que tu n'as qu'un seul fils, qui est Obiora. Je veux que tu arrêtes de faire confiance au fils de ton mari, je te dis. Il va te décevoir, oh. Mon ami, c'est une réalité triste. Très, très triste. Tout ce que je sais est que... Je suis déçue de voir ce qu'Nkelechi est en train de me faire moi et toute ma famille. Un enfant que j'ai élevé avec tout l'amour d'une mère. Il n'y a rien que je n'ai pas fait pour Nkelechi, jusqu'à ce qu'il nous tourne le dos. C'est ça le monde. Chai. Hein? Chai. Mais je connais les dieux que je sers. Il finira par me justifier moi et toute ma famille. Dieu nous visitera un jour, ça c'est sûr. Mais espérons. Nous n'avons pas de choix. Ainsi va la vie. Mais Dieu seul te contrôle. Oui, c'est... Ok, on nous salue. D'accord, c'est bon. J'étais en train de te dire ceci. Tu sais si c'était moi à ta place. Tu sais ce que j'allais faire, non? Je sais bien, tu me connais très bien. Ah oui, c'est simple. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je crois en Dieu. Laisse-moi continuer de croire en lui. Ma chère. Il finira par... nous témoigner sa fidélité. Non, monsieur. Où est mon argent? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, ce n'est pas moi. Je ne savais pas. Non, monsieur, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est pas de ma faute. Désolé, patron, désolé. Ici. Non, monsieur, s'il vous plaît. Je ne savais pas, monsieur. Où est mon argent? Aïe, 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 aïe. Reviens ici. Viens ici. Je te l'avais dit. Monsieur, je ne savais pas. Je ne savais pas. Obiora, je t'ai pris comme un petit rat. Comme ça. Je t'ai pris comme ça. C'est comme ça que tu étais et je t'ai pris. Du village, je t'ai enlevé comme ça, Obiora, de ta pauvre et misérable mère. Pour t'élever et te laver afin que tu deviennes aussi quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Tu as eu le courage de me voler. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai rien fait. Où est mon argent? Mon frère, je jure, je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait ça, madame. Elle m'a envoyé le numéro de compte. Et elle a même confirmé que je pouvais envoyer de l'argent. Sur ce compte dont elle m'avait envoyé le numéro. Alors moi et le client, nous avons envoyé l'argent sur le compte que nous avons envoyé. Je ne savais pas que ce n'était pas ça le compte. Quelle madame? Es-tu malade? Tu mens! Tu mens! Où as-tu gardé l'argent? Viens. Obiora, viens ici. Viens. Quoi? Où est-ce que tu vas? Obiora, Il s'est enfui. Obiora! Il est parti. Pas de problème. Où est-il parti? Où est-il parti? Je t'apporte le fouet, chérie. Stupide idiot. Ozugonou, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Biko. Hein? Tu veux te donner la mort. Biko, arrête. Maman, je n'ai pas fait ça, maman. J'ai personnellement appelé ma patronne. Et c'est elle-même qui m'a envoyé le numéro de compte. Mais pourquoi je vais voler à mon propre frère? Mais pourquoi je vais le laisser avoir une telle perte? Je sais. Je te crois, mon fils. Je sais que tu ne l'as pas fait. Je sais que mon fils n'est pas criminel. Je te connais. Ce n'est pas un problème. Laisse Angela. T'occupe pas d'elle. S'il te plaît, tu ne la blâmes pas. Bien sûr, maman. On ne la blâme pas. Je blâme juste mon frère éhonté. Quelqu'un qui n'a pas de sens ne pourra jamais faire quelque chose quand il est faux. Maman, mon propre frère m'a chassé de sa maison. Après avoir beaucoup travaillé pour lui, c'est ça, maman. Mon fils, Dieu ne t'abandonnera pas. Sois calme. Il voit tout ceci et il combattra pour toi. Est-ce que tu m'entends? Arrête de pleurer. Maman, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, maman. Je prie que le grand frère Kenechukwu le découvre un jour, au bon moment. Parce que cette femme avec qui il vit, c'est une sorcière. Je connais tout ça. C'est une sorcière. Ha! Ce beau est un sauveur que Dieu nous a envoyé. Ta! Adanna, here! Richard, qu'est-ce qui se passe? Adanna, je ne te comprends pas, hein? Adanna, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne vois-tu pas que je suis en train de célébrer? Hein? Ne vois-tu pas que je suis en train de célébrer, Adanna? Je suis surpris que tu me poses cette question. Trouve-toi un verre de champagne et bois, Adanna. Réjouis-toi. Alors, Richard, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu me demandes ce que je suis en train de célébrer? Ne vois-tu pas que l'obstacle sur ta voie a été enlevé? Tu n'as plus d'ennemis. Adanna, ce stupide idiot appelé Obière est parti. Donc tu es maintenant libre de continuer avec ton amant sans espoir, ce portier Franck. Et moi je continue à faire la vie. Ça fait l'objet de célébration. Tu n'as plus à t'inquiéter, Adanna. Alors trouve-toi un verre de champagne et réjouis-toi. À propos, pour une fois, tu as raison. Ouais, ça fait l'objet de casse de bouteilles. Réjouis-toi. Tu dois le faire doucement. Mon mari n'est pas encore sorti, il est à la maison. Imagine comment il va se sentir s'il te trouve comme ça. Adanna, ne vois-tu pas que je suis un enthousiaste à part entière? Je suis en train de célébrer pour la victoire que nous avons obtenue. Pas de problème, j'ai compris, mais Adanna, tu dois trouver quelque chose à boire. Mon mari va sortir, je le ferai. Ah, Adanna. Tchaï. Je te verrai plus tard. Je n'arrive pas à comprendre quelquefois ma soeur dans sa façon de voir les choses. Adanna, ça te concerne, moi je suis en train de célébrer, tu ne peux pas m'empêcher. Tu ne peux pas m'en empêcher. Adanna, ton mari est un sauveur pour notre famille, moi je dois célébrer. Tu ne peux pas m'en empêcher. Mon beau a de l'argent, moi je vais en profiter. Et tiens! Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais déjà dit que c'était fini et que tu ne vas plus jamais pleurer. Mais c'était pas une raison pour lui de me jeter hors de sa maison. Mais ce qui me brise le cœur, c'est que mon frère me voit vraiment comme un voleur. Grand frère, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas que tu dois pleurer. Je comprends comment tu te sens. Et je ne pense pas que t'agénier devant Dieu et lui parler serait mieux. Tu brises mon cœur quand tu fais ça. Je vais essayer de rester fort pour maman. Ok. Mais tu sais que je ne l'ai pas fait. Je sais. Je ne l'ai pas fait. Oui. Bon, désormais qu'il est loin de nos plans, tu dois vraiment faire l'essentiel. Comme quoi? Nous faire sortir de cette maison. Comme nous nous sommes convenus. N'est-ce pas, tu as déjà oublié? Je sais que tu as toujours voulu à ce qu'on parte. Mais tu sais, ce n'est pas facile du tout. Nous avons besoin d'un peu de temps. Nous devons quoi encore? Oh, bébé, écoute... Non, non, attends. Tu dois d'abord attendre. Franck. Tu veux vraiment que moi... Franck. Je reste esclave. Allez, calme-toi. Non, ne me demande pas de me calmer. Donc tu veux vraiment que je puisse continuer à porter cette stupide tenue de sécurité? N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça que tu veux? Franck, tu dois te calmer. Honnêtement, c'est pas comme si c'était facile, chérie. Ok? C'est pas comme ça. Bon, c'est bien, d'accord. Ce n'est pas un problème. J'ai très bien compris. Tu calmes. Tu m'as entendu? C'est bon, d'accord. Si toi, tu n'es pas encore prête à partir, je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire ici. Franck, calme-toi, mon amour. Hein? Franck, tu sais que je t'appartiens. Là où tu iras, je serai avec toi. Je fais ça, bébé, pour nous deux. Hein? Je fais ça pour sécuriser notre avenir. Je serai en possession de quelques documents dans peu de temps. Oui. C'est pour ça que je veux que tu puisses être patient. S'il te plaît, le temps. Sois patient, chérie. Obi Adada. Hey, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? J'ai essayé de te joindre au téléphone, moi. Il y a plusieurs mois de ça, ton numéro ne passe presque jamais, ça me dérangeait. Tu étais toujours éteint. Qu'est-ce qui arrive à ton numéro? J'ai perdu mon téléphone. Au fait, il me l'a ravi. Il te l'avait pris? Qui te l'avait pris? Mon frère, bien sûr. Ah, Oga. Il m'a pris mon téléphone. Il me l'a pris. Oga. Bon, qu'est-ce que tu lui as fait juste pour qu'il puisse te le prendre? Quoi? La femme du patron a planifié avec un homme. Et cela m'a coûté même la somme de 500 000 nègres de bénéfices. Et le patron ne m'a même pas demandé ce qui s'était passé. Directement, il a crié à sa femme et m'a chassé de la maison. Comme ça. Hey. Patron, t'as jeté en dehors de la maison? Oui. Après toutes ces années. Hein? Mais attends un peu, est-ce qu'au moins tu lui avais dit que c'était sa femme qui t'avait fait ces sales coups? Je lui ai dit. Je lui ai dit tout ce qui s'était passé, mais il n'a pas voulu me croire. Il m'a chassé de la maison. Et je devais rentrer au village et maintenant je ne fais que, tu sais, juste un travail de ferme pour que la famille puisse survivre. Et plus tard, je suis venu ici en ville et j'essaye de... Essaye juste de me battre comme tu m'as vu là, afin de survivre comme ça. Hey, hey. Franchement, je l'ai jamais connu au gars comme ça. Pourquoi il pourrait faire une telle chose, non? Te jeter hors de la maison, avec toutes ces souffrances qu'il y a là dehors. C'est compliqué. Hein? Avec toutes ces souffrances. Très bizarre. Mais quoi qu'il en soit. Hey! Mon gars. Oublie-moi toutes ces histoires, ok? Obi Adada. Obi Adada. Ne t'en fais plus, hein? T'en fais pas, je suis là maintenant. Hein? Et comme tu peux le voir, il y a l'argent, il y a l'argent, mon cher ami. Tout est maintenant ok, tout est maintenant normal. Oh, Dieu m'a vraiment béni, mon cher. Dieu m'a donné beaucoup de choses, mon cher. C'est ta voiture, ça? Oui, une Noah. Vraiment? Oui. Tu sais que j'étais capable de commencer avec mon propre business, avec l'argent que le patron m'avait donné. Et il n'y a pas eu que ça, Dieu m'a béni à nouveau avec Alhaji. Tu connais Alhaji, non? Moi, je l'appelle souvent Alhaji Yaro. Le géant Alhaji qui a toujours une barbe comme ceux des musulmans là. Tu te souviens de lui? Alhaji est celui qui m'a aidé. Il m'a présenté à ses partenaires d'affaires qui s'est trouvé à Accra. Donc, je suis allé à Accra avec lui. C'est à partir de là que tu n'as plus entendu parler de moi. Hey. Donc, je suis allé à Accra avec lui. Et là, il m'a présenté à tous ses partenaires d'affaires. Là, au moment où je te parle, mon gars, j'ai moi-même, je possède deux shops. Deux shops énormes, bien plus grosses que celle du patron. Imagine un peu comment celle du patron est. Vraiment. Plus grosse que celle du patron. Maintenant, je suis venu ici pour t'emmener à Accra. Hey! Allez. Es-tu sérieux? Bien sûr que oui. Hey. C'est ce que je te dis, mon cher. Tu viens avec moi, mon frère. Tu viens avec moi. Mirabelle, viens me chercher. Je t'ai retrouvé, Junior, je t'ai retrouvé. Ah, Kate la méchante. Junior. Maman. Junior. Maman. Obiora, je t'ai dit que je possède maintenant deux grands shops. Oui. Et qui se trouve où? À Accra. C'est là qu'il se trouve. 1, 2. Mais le truc maintenant, c'est que le business au Ghana, c'est vraiment épuisant. Ça me prend du temps. Au moment où je te parle, frère, je suis une personne très reconnue là-bas au Ghana. Partout là-bas au Ghana, absolument toute personne me connaît. Donc, le business avance vraiment très bien. Maintenant, j'ai besoin de bien gérer les business là-bas et tranquillement revenir des fois au Nigeria. Mais mon frère, les trucs, c'est que c'est vraiment très fatigant en fait. Tu comprends un peu, je fais de l'argent là-bas, je fais tout là-bas, mais puis je reviens ici au Nigeria et puis je retourne là-bas. Tout ces va-et-vient pour une personne, c'est très difficile. Et je ne veux pas, tu connais le Nigeria, non? Tu connais tous ces petits garçons de nos jours. Je ne fais confiance en personne, je ne connais d'ailleurs presque personne à part juste toi. C'est pourquoi depuis tout ce temps, mon cher, je n'arrêtais pas de te chercher. Oui, non? Jusqu'à ce que je te vois aujourd'hui. Je n'ai pas cessé de t'appeler pour essayer de te joindre. Parce que je sais très bien que tu es la seule personne en qui je puisse avoir confiance. Dans ce genre de business. Mais mon ami, oh. Le truc c'est que... Oui, je veux que toi, Ogenwa, mon gars, Obi Adada, que tu viennes m'aider à gérer mon business à Oneja, pendant que moi je vais gérer l'autre à Accra. Ensemble, ensemble mon cher frère. Surtout je t'en prie mon frère, ne me dis pas non, je t'en prie. Ensemble, toi et moi, allons progresser ensemble. Comme des frères, comme on en a déjà l'habitude. Tu sais combien tu comptes vraiment pour moi, mon frère. Toi, prends bien soin de ce business là-bas, Oneja. Pendant que je vais m'occuper du mien là-bas à Accra. Ensemble, tel que je nous connais déjà mieux. Chiké à Accra. Et en plus, Obiora à Oneja. Chiké à Accra et Obiora à Oneja. Hey. Je te dis, mon cher. Je te dis, mon cher. Arrête de pleurer, non? Ne me refais pas ça, je t'en prie, ok? Ceci n'est pas du tout. C'est pas le temps pour toi de pleurer, mon cher. C'est le moment pour toi de te réjouir, mon cher. Sois heureux, mon cher. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis, mon cher. On a maintenant l'argent. Ah, t'en fais pas, mon cher. Ça va aller, ça va aller. Docteur, comment va mon fils? Comment est la situation maintenant? Docteur, réponds-nous s'il vous plaît. Bon, la vérité est que votre fils se trouve dans une situation un peu critique parce qu'il a vraiment une très dose de malaria. Vraiment, le résultat a montré qu'il a la malaria de 3+. Voilà pourquoi sa température a augmenté. La seule chose dont il a besoin maintenant, ça sera la transfusion de sang. La transfusion sanguine? Oui. C'est tout? Je suis son père, je vais donner du sang. Oh, chérie, ne te dérange pas. Docteur, je suis sa mère, je peux donner mon sang. Pourquoi, femme? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Je suis le père et je suis là. Comment est-ce que c'est toi qui donnerais du sang? Ok, c'est bon, d'accord. Mais le problème est que on ne peut pas donner du sang à un petit-fils avant qu'on ne puisse faire le test. Donc, on doit d'abord vous tester pour savoir si vous êtes du même groupe que lui. Donc, c'est un peu ça. Écoute, pourquoi tu te précipites comme ça? Es-tu sûr que tout va bien? Oui, je vais bien. Mon frère, allons-y. Ok, allez-y de l'autre côté. Je vous rejoins dans quelques minutes. Vous aussi, madame, allez-y. Je vous rejoins dans quelques minutes. Qu'est-ce que je dois faire là? Réponds, Richard. S'il te plaît. Richard. Oh oui, Richard, c'est bon. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin de toi tout de suite. Non, Richard, arrête avec tes histoires des femmes. C'est très sérieux. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Oh, la police? Oh mon Dieu, Richard, mais... Oh mon Dieu. Oh ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, mon monde s'écroule. Mon frère est dans le pétrin. Il était impliqué dans un braquage. Les policiers sont à sa recherche. Mon mari est en ce moment à l'hôpital sur le point de faire une découverte choquante. Mon monde s'écroule. Oh mon Dieu. Calme-toi d'abord. On doit faire quelque chose, ok? Je ne peux rien faire en ce moment. Franck, nous devons partir. Écoute, calme-toi. Franck, je suis dans le pétrin. C'est bon, comme tu es d'accord qu'on puisse quitter ce lieu, on va quitter ce lieu pour aller à une autre. Mais écoute, on doit, n'est-ce pas, avoir de l'argent et partir d'ici. Franck, j'ai tous les documents avec moi, partons, s'il te plaît. Est-ce que maman, tu es sûr qu'on doit partir, hein, n'est-ce pas? J'ai les documents, bon, tu ne m'entends pas? D'accord, on va partir. Et à propos des enfants, on ne peut pas les laisser ici. Les enfants? Franck, où es-tu? S'il te plaît, fais vite. Va récupérer Mirabelle à l'école et viens vite me rejoindre devant l'hôpital. Nous devons récupérer notre fils avant qu'Ekene ne le fasse. Franck, s'il te plaît, fais vite, hein? Fais vite. Je t'attends. On n'a pas assez de temps. D'accord, ok. Oui, je suis là, sur cette route, ok. D'accord. Richard, Oh Richard, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Oh Richard, oui, quelle nouvelle? Hey. Oh. Ok, c'est bon. Je te rappelle. C'est quoi ce genre de problème? Hey Franck, fais vite. Docteur, il doit y avoir une confusion quelque part. Comment me direz-vous que Junior n'est pas mon fils? Écoutez-moi d'abord, monsieur Kennedy. Il y a vraiment beaucoup de résultats qui ont apparu pendant que je faisais le test. Les tests de sang que nous avons faits et les résultats que nous avons grâce à ces tests prouvent clairement que tu n'es pas le père biologique de cet enfant. Ça c'est impossible, docteur. C'est impossible. Écoute, je dois vraiment te dire ça parce que tu es vraiment mon ami. En dehors de me consulter comme ton médecin, il y a quelque chose qui n'est pas trop clair avec ta femme et tu dois vraiment le savoir. J'ai vraiment fait beaucoup de tests et j'ai trouvé qu'il y a incompatibilité entre ton propre sang et celui de ton fils. Et il y a beaucoup de choses que tu devras savoir. Et d'ailleurs, sa réaction lorsque vous êtes venus avec l'enfant à l'hôpital et ta femme ne te dit pas beaucoup de choses. Oui. Et tu dois vraiment lui poser beaucoup de questions, monsieur Akechi. Si les tests de sang et que les résultats de sang ne sont pas pareils, alors pourquoi est-ce qu'elle devrait être agitée ces jours-là? Fais-le avant que d'autres problèmes ne vous arrivent. Fais-le rapidement et maintenant. Peut-être qu'on trouvera une solution. J'ai parlé à Ojemba concernant ton voyage en ville où tu vas apprendre le designing. Il en a parlé à son fils et son fils est totalement d'accord avec ça. Ah. Il est d'accord que tu ailles apprendre le designing. Maman, merci, je suis très reconnaissante et je suis très contente. Moi maintenant. De même, je suis très contente. Au moins ma fille sera un fashion designer avec lui. Par la grâce de Dieu, maman. Merci beaucoup, maman. Je suis très contente. Je suis reconnaissante. À un moment, est-ce qu'il a dit quand est-ce que je peux aller? Non, ça dépend de nous. Au fait, tu peux partir même dans les 2 jours qui viennent. 2 semaines, c'est très proche, maman. Pourquoi ne pas proposer 1 mois? Des jours, c'est soudain. 1 mois. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je cherchais pour toi une occupation. Maintenant qu'on l'a eu, tu vas encore rester 1 mois à la maison? Pourquoi? Non. Tu dois partir dans les 2 jours qui viennent. Maman, la parcelle est très grande et tu vas rester toi-même. Je ne peux pas te laisser toute seule ici. Oh, c'est à cause de moi. N'oublie pas que ta mère est une femme forte. Rien de mal ne m'arrivera. Sois-en sûre. D'accord, maman. Merci, je suis très contente. Merci, ça va aller. Oh mon Dieu, je veux devenir une fille de Lagos. Oh, pas seulement une fille de Lagos, mais un fashion designer. Wow. Would be C'est quel genre de confirmation que tu as besoin, monsieur Kenechukwu? Au moment où je te parle là maintenant, ta femme est venue ici à l'hôpital et est partie avec Junior. Elle n'a même pas tenu compte de la condition de cet enfant. Écoutez, les infirmières lui ont demandé de ne pas prendre l'enfant. L'ont supplié et lui ont même parlé. Elles lui ont demandé d'attendre jusqu'à ce que l'enfant sera en bonne santé, mais elle a refusé et elle a voulu juste profiter de mon absence pour partir avec l'enfant. Oui, j'étais sorti de l'hôpital un moment et quand je suis retourné, on m'a dit qu'elle est déjà partie avec l'enfant. En tout cas, je ne sais pas où elle est partie avec l'enfant, mais... Tu devras faire quelque chose à propos de ça. Bon, peut-être tu peux informer à la police. Maman. Ne répond pas à mes appels. Maman. C'est bon chérie, attends. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il a eu du mal à récupérer de l'argent? Oui chérie, qu'est-ce que tu disais? Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Bientôt chérie. Le temps juste que j'arrange 2 ou 3 choses, nous allons rentrer. Maman! Oui, princesse, je t'écoute. Quand est-ce qu'on va encore revoir notre papa? Oh, tu verras ton père, t'inquiète. Vous allez voir votre père, ok? Ok, maman. Laissez-moi juste le temps de me concentrer. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi Franck ne décroche pas mes appels? Hey. Est-ce que je rêve? Est-ce qu'il est en route? Oh, merci, j'ai reçu un message. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, arrête! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman! Maman, s'il te plaît, maman! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, bienvenue. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Où est maman? Elle est derrière la maison. Prends place, comme ça j'appelle. Qui revient? Kiro, s'il te plaît, assieds-toi. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Nkiro, j'ai très honte de moi-même. Après tout ce que je t'ai fait à maman et à Obiora, je vous ai maltraité. Pourtant, vous m'avez pardonné et m'avez accepté en tant que votre sang. Par-dessus tout, vous me montrez toujours l'amour comme si rien ne s'était passé. Je meurs dans la culpabilité. Grand frère, ce n'est pas du tout un problème. Tu sais, quand tu t'es rentré, que tu nous avais dit tout ce que ta femme t'avait fait, on ne s'était pas étonné parce qu'on savait que c'était une sorcière. Alors, ce n'est pas un problème, c'est comme s'il n'y avait rien. J'ai fait une erreur grave. C'était de ma faute. Parce que j'étais en position d'aider mon frère et ma soeur, mais je ne l'ai pas fait. J'étais en position de montrer l'amour, mais à cause de la stupidité et de la méchanceté, je n'en ai aidé aucun. Grand frère. J'avais de l'argent pendant que les membres de ma famille souffraient. J'ai mal fait. J'ai pas le caché. J'ai mal fait. Non, mais c'est pas... C'est ok? Il y a quoi? Enfin, je suis chez moi. Maman, maman, viens voir. Maman, dépêche-toi. Maman, regarde. Maman. Ah, et la voiture. Oh mon Dieu. Bonjour, monsieur. Je ne sais même pas quoi dire. Attends. Maman, mon frère. Une certaine après-midi, je ne faisais que tourner dans ma lutte de tous les jours. Et là, j'ai croisé un vieux ami à moi, Chiké. Il a aussi travaillé chez mon frère avec moi. J'étais vraiment étonné que Chiké était déjà arrivé trop loin. Et Chiké m'a aussi dit que dès qu'il avait reçu son argent, il a directement commencé ses affaires et tout a réussi. Il a beaucoup de clients et sa vie a même changé. Et il a maintenant aussi une grande boutique là-bas au Ghana, pour lui, qu'il gère. Et là, j'ai aussi à raconter toute mon histoire à Chiké. Et Chiké a eu pitié de moi et il m'a donné une branche de son business ici, dans la ville, pour gérer. Et c'est comme ça que les choses ont aussi changé pour moi. Ma vie a vraiment changé, maman. Oh, gloire à Dieu. Les dieux tout-puissants et vivants. Pas du tout, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Maman, la maison où j'habite dans la ville m'appartient. Cette voiture m'appartient aussi. Je suis vraiment très heureux, maman. Mon frère, je suis désolé pour ce qui s'est passé. On m'a déjà tout appris. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit sur la relation que Franck avait avec ta femme. Vraiment désolé. Donc tu es au courant que ma femme me trompait? Mon frère, ce n'est pas nécessaire de présenter des excuses. Ce n'est pas nécessaire. Parce que même si tu me l'avais dit, je ne t'aurais pas cru. Exactement. Je me vautrais dans la haine que je nourrissais pour cette famille. Plus précisément, maman. Hein? Oui, non. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? La vérité est que je n'avais aucune raison pour ce que je faisais. Mais je pensais que j'en avais. Plus précisément quand je me rappelle le passé. Le bâton a détruit un de mes yeux. Donc tu as gardé ça dans ton esprit? Si c'était toi, oublierais-tu un tel jour? Sais-tu ce que ça veut dire pour un garçon de grandir avec un œil? Mes semblables se moquent de moi tous les jours parce que un de mes yeux ne fonctionne pas. Quand j'appelle les clients pour venir acheter, le regard qu'ils me donnent m'agace parce que je suis un borgne. Des gens m'évitent. J'irai à des endroits pour manger et boire. Des gens se déplaceraient à cause de mon œil. Plusieurs propositions d'affaires ont échoué à cause de mon œil. C'est pénible. Tu as détruit ma vie. Ouais, parce que la vie serait meilleure si mes deux yeux étaient corrects et complets. Quand j'avais de l'argent, j'avais voyagé. J'avais payé afin qu'on puisse opérer mon œil. Mais en vain, j'ai dépensé de l'argent, j'ai souffert. Juste pour voir si je pouvais récupérer mon œil. Ça n'a pas marché. Si c'était toi, maman, serais-tu contente? Serais-tu heureuse? Désolée. Tu as détruit ma vie. Ouais. Tu as détruit ma vie. Aucune fille ne veut m'approcher à cause de ma condition. Toute fille que j'approche dirait non, je ne peux pas sortir avec toi parce que tu es un borgne. Sais-tu à quel point c'est pénible? Ça m'a affecté psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Tu as détruit ma vie. Ouais, tu as détruit ma vie. J'avais fait une erreur en tant qu'un enfant, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour toi de détruire un de mes yeux. Tu as détruit ma vie. Si c'était à ma place, serais-tu contente? Sourirais-tu? Sais-tu ce que ça veut dire pour un garçon comme moi de grandir avec un œil? Le sais-tu? Le sais-tu? Tu as détruit ma vie. Ouais, tu as détruit ma vie. Keletchukou, je suis très désolée pour ce qui t'est arrivé. Je n'ai jamais su que tu t'es nourrie de cette histoire depuis tous ces temps, puisque tu n'as jamais parlé de ça. Je ne l'ai jamais su. Moi et ton père t'aimions énormément. Nous étions durs envers toi parce que tu étais l'aîné de la famille et nous voulions que tu sois fort. C'est ce que nous avions pu faire en ces moments. Non, non, maman, vous avez réagi de façon excessive. Ouais, je m'attendais à ce que tu élèves tes enfants de la même manière, mais tu ne l'as pas fait. Regarde, regarde tes enfants, les yeux sont complets. Ouais, si c'est comme ça qu'on élève les enfants, pourquoi toi tu n'as pas détruit les yeux de tes enfants? Nous n'avions pas l'intention de te rendre aveugle. Et non celle de te faire du mal avec cette canne. Peu importe ce qui est arrivé, ce n'était pas de notre intention. Alors, comme tel est le cas, accepte mes sincères... Non, 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 maman, non, 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 s'il te plaît, non, 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 ne fais pas ça, assieds-toi. Biko, pardonne-moi. Ça va, maman. Tout ça, c'est dans le passé. Merci. C'est moi plutôt qui devrais présenter mes excuses pour avoir gardé des rancunes accumulées pendant des années. Non, ce n'est pas grave, mon frère. Je suis désolé. Non, c'est bon, mon frère. Personnellement, je te pardonne, mon frère. Et je te promets de t'aider à rebondir avec tes affaires. Oh. S'il te plaît. Merci beaucoup. Tu es toujours mon frère. Merci beaucoup. Oh. Mes semblables se moquent de maman appelant un homme borgne. Ça devient pour eux un objet de moquerie. Mais. Oh. Dieu soit merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon fils. What would be must be. If it's good day, if it's good day. Oh, what would be must be. Who be, hey, hey. Makana mirrors or is Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Chimno, Omedo, Yaboya, Juba.